Gloire à Dieu. Donc, on a vraiment eu à cœur de se rencontrer pour échanger. Et ça va? Amen. Pour échanger, pour répondre à certaines questions. Et pour ceux qui ont été formés dans cette œuvre par le Seigneur, vous savez qu'il y a 4 ans, si je ne me trompe pas, l'autonomie a été donnée. Et ça fait quoi, 4 ans? Je ne sais plus. 3 ans? Ah, ça fait 3 ans, ok. Ok. Comment? Ok. Donc ça fait 3 ans. Et donc ces églises étaient déjà autonomes. Hein, donc je pense que, pour ne pas me dire le contraire, elles fonctionnaient déjà de manière libre, autonome. Et donc je n'étais pas derrière vous pour demander quoi que ce soit, pour demander de l'argent. Et on a voulu... Le Seigneur m'a demandé clairement de vous rassembler et de me retirer. Voilà. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est biblique. Et deuxièmement, parce qu'il y avait des choses que Dieu m'avait montrées dans les coulisses. Et je ne voulais pas forcément, à cette époque, je n'avais pas forcément la liberté de l'esprit pour vous en parler. Et je voyais bien, je m'étais rendu compte que beaucoup de ceux qui m'entouraient n'étaient pas vrais. Et beaucoup se servaient de ce message pour s'enrichir. D'autres, c'était pour aller avec des femmes. Et il y avait beaucoup d'hypocrisie. Il y avait également, en fait, beaucoup, beaucoup de mensonges. Et il y avait un autre point, un autre aspect que nous allons aussi partager tout à l'heure. C'est la culture, pour ceux qui sont d'origine africaine, notamment la culture africaine a détruit, n'est-ce pas, et détruit le travail que le Seigneur faisait en eux. Et je voyais toutes ces choses, je voyais cette culture justement qui était là, qui prenait plus d'ampleur que la parole de Dieu. Alors il fallait à tout prix me soustraire. Et je prends un exemple par rapport à la culture. Quand on dénonçait, par exemple, cette vision des papas et de mamans spirituels, qui est une vision complètement démoniaque, on va pouvoir aussi en parler. Et il y a des pères dans la foi, c'est la Bible, mais pas des pères spirituels, parce que c'est une insulte vis-à-vis du Seigneur. Et donc, qu'on dénonçait ces pratiques, et dans les coulisses, il y en a qui appelaient les frères et sœurs, parmi les pasteurs qui étaient là, pour se présenter comme des pères et des mères spirituels. Donc, je me rappelle encore... Il y a trois ans, deux jeunes françaises, donc deux jeunes blanches qui venaient au programme de réveil, qui suivaient les enseignements. Il y en a une qui m'a appelé, elle venait avec sa copine, bien sûr, qui était aussi qui est une blanche. Elle me dit, voilà, donc il faudrait que tu dises à tel pasteur qui est avec toi de ne plus nous appeler à 23h, 23h30, et de nous appeler ses filles, parce que nous avons nos pères biologiques. Donc il n'a pas à nous appeler comme ça. Donc je me rendais compte que des Français, des Blancs commençaient à être touchés et ils repartaient. Je ne comprenais pas déjà à l'époque, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans les églises en Île-de-France? Il n'y a pas beaucoup d'Arabes qui sont touchés. Pourquoi? Pourtant, il y a beaucoup de frères et sœurs arabes qui suivent les enseignements sur YouTube, sur télé de vie. Et, comment ça se fait que dans nos assemblées qui sont dirigées ici et là par des frères et sœurs, par des pasteurs, il n'y ait pas toute cette population-là? Pas beaucoup d'Arabes, pas beaucoup de Chinois, pas beaucoup de nations... on trouve plus des Congolais, et je me rendais compte que le Seigneur m'a montré parce qu'il y avait la culture. Et je sais que certains qui sont ici sont encore dans la culture. Et c'est pour cela, entre nous, je ne veux pas même répondre à certaines invitations. Quand vous m'invitez pour aller chez vous, Dieu me dit à chaque fois, ça ne sert à rien, tu vas travailler dans le vide. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait... C'est pour ça qu'il faut une réforme. Il faut une réforme, et c'est urgent, c'est important. Et si on ne comprend pas ces choses, si on ne comprend pas l'œuvre que le Seigneur fait, ben, on passera à côté, comme beaucoup sont passés à côté, et saluent ce réveil de loin. Pourtant, ils ont prié pour cela, et aujourd'hui, ils sont en train de le saluer de loin. Et donc, je me dis que c'est du gâchis, de passer à côté d'une telle œuvre. Et aujourd'hui, de plus en plus des pasteurs de l'extérieur qui sont touchés. Et le nombre de personnes que le Seigneur a touchées, vous le voyez vous-même. Donc, on ne peut plus parler, je veux dire, en termes d'église d'implanter. Si on me demande aujourd'hui combien d'églises avez-vous implantées, on ne pourra plus le dire. Parce que
on parle plus en termes d'église, on parle plutôt en termes des pays, des villes que le Seigneur est en train de toucher. Et la culture est telle que beaucoup, malheureusement, n'arrivent pas à percer dans l'œuvre que le Seigneur leur a confiée, justement à cause de la culture. Et des frères et sœurs d'origine étrangère qui sont en Europe, au lieu de comprendre leur mission, ils rentrent dans la culture, ils sont accrochés à leur culture, ils sont accrochés à l'hypocrisie, ils sont accrochés au mensonge. Dans la culture africaine, on ne prend pas position pour la vérité, ouvertement. Ça, c'est très culturel. Et Dieu ne peut pas utiliser les gens qui sont comme ça. C'est impossible. L'onction ne supporte pas ces choses. Les gens ne prennent pas position. Et c'est ça qui fait défaut. Vous voyez? Donc, il y a vraiment un souci. Je veux dire, si on ne comprend pas, si on ne fait pas un bilan, mes amis, vous allez rester dans les églises ethniques et lors de l'enlèvement, vous ne partirez pas. Lors du retour du Seigneur, je vous dis, il y aura beaucoup de surprises. Quand le Seigneur va revenir, les gens vont brandir, ouais, moi je suis prédicateur. Dieu dira, ouais, mais tu es un menteur, tu es un hypocrite. Tu ne disais pas la vérité aux frères et sœurs. Dans l'amour, tu ne disais pas la vérité. Moi, j'ai vu pendant des années des gens qui m'entouraient, qui venaient me voir pour dire, un tel est sorcier, un tel est ci. Mais eux-mêmes n'avaient pas le courage d'aller voir les gens pour parler ouvertement. Donc, ils venaient me voir pour me pousser à aller faire les choses, à aller dire les choses, pour que moi, je subisse toutes les attaques et eux, ils se protégeaient. Ça, c'est de la manipulation. Quand je reçois qu'un frère est sorcier, je veux le voir. Je le dis. Je ne passe pas par des détours. Non! Ce n'est pas ça, être chrétien. Déjà, un chrétien ne doit pas faire ça. Et encore moins un pasteur, un prédicateur. Vous voyez, c'est pour cela que je vous dis, faites le bilan dans vos assemblées, vous allez voir que vous tournez en rond. Hein, vous tournez en rond, il n'y a rien. Et pas de croissance spirituelle, pas de croissance numérique depuis des années, et pas de gens de formés. Et quand on fait le bilan, c'est un échec. Si on est sincère. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas position. Et aussi, certains ont des femmes aussi qui ne les poussent pas à prendre position. Ou des hommes qui ne les poussent pas à prendre position. Donc du coup, les gens sont trop culturels, dans la culture. Et Dieu se retire quand c'est comme ça. Moi, je sais que même les assemblées que nous, on a implantées ici, je sais qu'il y a des assemblées où Dieu m'a dit, il n'est pas là, il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Donc, et c'est ça qui nous mine, c'est ça qui nous mine. Et aussi, il y a beaucoup de choses. Ça y est, il faut vraiment faire le bilan et réaliser que nous avons des problèmes. Parce qu'un malade qui ne comprend pas qu'il est malade, il ne peut pas se faire soigner. Et à cause de la culture aussi, il y a beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. Et quand on regarde, regardez pour vous montrer comment l'œuvre du Seigneur doit se faire. On a fait le bilan avec les frères et sœurs de TV de vie. En moins de 2 ans et demi, Dieu nous a donné plus de 400 000, 460, combien, David? 470 000 euros. En moins de 2 ans. Donc, si on fait déjà le bilan en ce qui concerne l'œuvre que le Seigneur a commencée ici il y a 2 ans et demi avec le programme de réveil, et en moins de 2 ans et demi, le Seigneur a donné plus de 470 000 euros. C'est ça, non? Voilà. Je dis bien sans la dîme. Sans demander aux gens sans mettre des partenaires financiers, tel va donner 500, tel va donner 1000, tel va donner tant, sans tout ça. Là, c'est le côté financier. Et quand on regarde dans nos assemblées, on s'aperçoit que soit il y a des dettes par rapport au loyer,
des arriérés, des impayés. Temps. Va changer les piles. Donc, sur le plan financier, soit il faut insister, il faut insister, il faut insister, donner, Dieu va vous le rendre au centuple, tout ça. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acrobaties pour avoir un peu d'argent. Donc là, simplement, Dieu touche des gens qui viennent et qui donnent 40 000 euros en chèque, un couple, quelqu'un qui vient qui donne 10 000 euros, quelqu'un 15 000 euros, quelqu'un qui. Et voilà comment, en un temps suffisamment record, hein, très court, on a pu acheter le bâtiment là, sans crédit, comptant, en cash, et sortir, on a pu sortir les deux exemples, les deux comment des versions de la BGC et tout. Les gens, ils veulent vivre ces choses-là. Mais quand tu leur montres les clés pour accéder à ces choses, ils ne veulent pas. Ah non, c'est dur. Ah, mais il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Voyez, en moins de 3 ans, il y a eu près de plus de 3 000 baptêmes. Chaque samedi, ici, il y avait près de 50 baptêmes, parfois 80, parfois 50, parfois 40, et ça a duré 2 ans et 8 mois. Des conversions, n'en parlons pas. En moins de 3 ans, il y a eu, je ne parle d'abord du bilan de ce que Dieu fait ici avant d'attaquer le bilan sur l'Église de manière générale, le christianisme. Il y a eu des guérisons, des miracles, des cancéreux, des sidéiens, avec des preuves médicales et des choses qu'on n'a jamais expérimentées, des membres qui s'allongent, des bras plus, des jambes plus courtes que d'autres qui s'allongeaient. Des médecins qui sont choqués par toutes ces guérisons, ces miracles. Comme on m'a parlé d'une sœur pour qui on a prié pendant le programme de réveil ici, elle avait pas de, on lui avait fait une ablation de l'utérus et les deux trompes. Elle est allée voir son médecin et le médecin a constaté que ça repousse. Le monsieur est choqué. Ça, c'est que sur le. C'est quand j'ai repris le travail, la vision. Après l'autonomie, quand le Seigneur m'a dit commence les réunions de réveil, regardez la vitesse à laquelle les choses se passent. Et ça, si on compte maintenant le nombre des groupes, des maisons qui se sont créées dans le monde entier, c'est impressionnant. C'est dans toutes les nations. Les livres que le Seigneur m'a fait écrire. Une sœur chinoise a traduit Église influencée en chinois et une sœur italienne a traduit un livre en italien, une sœur mexicaine a traduit en portugais, en espagnol en portugais une sœur, un autre livre en roumain presque tous les livres par une sœur roumaine en anglais pareil au point où des ingénieurs de la NASA, quelques-uns sont touchés par le message, parce qu'il y a un Australien blanc qui est ingénieur à la NASA, qui a fabriqué un robot qui est envoyé sur Mars. Sa femme a traduit tous mes livres en roumain, et son mari est touché par le message. Il amène ce livre, donc traduit aussi en anglais, aux États-Unis, et des ingénieurs sont touchés par le message et ils suivent quelques messages. Est-ce que vous rendez compte de ce que Dieu fait? Les gens veulent vivre ces choses. Viens prêcher chez nous, frère. Viens, on va travailler ensemble. Mais vous-même, là, votre culture, là, c'est comment? Le mensonge, c'est là. La duplicité. On ne dit pas les choses clairement. On ne prend pas position pour la vérité. Moi, j'ai pris position pour la vérité.
au point où je suis insulté dans le monde entier, comme vous le voyez. Donc j'accepte toutes ces choses parce qu'il y a un prix à payer. Mais beaucoup ne veulent pas le payer, ils veulent profiter de ces choses-là. C'est pas possible. Et avec cet argent que le Seigneur a donné, des pasteurs formés à l'époque que je formais, et qui vont voir des frères pour dire, nous voulons, l'argent était amené aux pieds des apôtres, il faut partager cet argent-là. Il y en a un, je lui ai dit, toi, si tu continues, je te dénonce publiquement. Vous vous rendez compte? Dans la culture, il faut vraiment qu'on comprenne les choses, frère. Et je veux d'abord interpeller ceux qui ont été formés ici. La culture. Dans la culture africaine, vous confiez, regardez bien, quand un Africain ouvre une boutique exotique, tous les autres Africains veulent ouvrir la même boutique. Vous voyez, non? C'est-à-dire, on n'a pas dans la culture africaine, il n'y a pas la notion du corps, où chaque membre a une fonction qui lui est assignée et respecte ses limites. Si je n'ai pas cette chose, je ne veux pas vouloir l'avoir pour être comme l'autre. Chez nous, ça n'existe pas. Et c'est aussi à cause de ça que l'Afrique n'avance pas, ne décolle pas. Et vous allez voir ces boutiques qui sont ouvertes. Quand vous allez faire des courses là-bas, les Africains qui sont en train de vendre, ils vont mal vous accueillir. Pourtant, vous êtes leurs clients, mais c'est comme si vous les dérangez. Et on trouve ça dans toute l'Afrique. C'est comme si vous les dérangez. Mais vous allez voir des Pakistanais, des Indiens qui reprennent ces boutiques, ils sont très accueillants. Donc, il y a vraiment. Un jour, Dieu m'a dit, le problème de l'Afrique, des églises d'origine africaine, des pasteurs africains, c'est d'abord aussi, c'est la culture. La culture. Ça m'a choqué. C'est la culture qui les ronge, qui les mine. Et ça m'a interpellé, je dis, Seigneur, mais c'est comment? Il dit, c'est la culture. Donc, le réveil que le Seigneur a déclenché, beaucoup vont passer à côté, tout simplement à cause de la culture. Il y a la culture du royaume de Dieu que nous devons avoir. Mais beaucoup ne veulent pas de là. Vous voyez, quand le Seigneur est venu, Pierre, Dieu lui a dit, lève-toi, tue et mange. Pierre était tellement dans la culture qu'il a dit, non, 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 non. Il a failli passer à côté à cause de la culture. Et parfois, on ne se rend pas forcément compte. Le nombre des nations que Dieu touche, que Dieu a touchées, nous choque. Regardez, nous sommes en Europe. Dieu vous donne une vision. Mais cette vision qu'il vous donne, elle a besoin d'être soutenue par, bien sûr, la prière, tout ça, mais aussi d'être soutenue par les moyens, par l'argent, pour pouvoir la matérialiser. Et Dieu envoie aussi, et qui sont ceux qui ont aussi ces moyens? Ecclésiaste nous dit que Dieu donne aux païens de travailler pour donner à ceux qu'il aime. Mais qui sont ceux qui ont plus de moyens pour soutenir l'œuvre du Seigneur? C'est aussi les Européens. Pourquoi? Je vous dis les choses ouvertement. La majorité des Africains ou des Arabes qui sont ici, ils sont venus chercher la vie, nous sommes venus chercher la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, quand on prend un peu d'argent, on envoie au pays pour aider nos frères et sœurs, à part ceux qui sont ici depuis plusieurs générations. Mais ceux qui sont du pays, ce sont eux qui ont plus de moyens, qui doivent mettre en œuvre pour faire avancer l'œuvre du Seigneur pour la mission. Mais si vous leur fermez la porte à cause de la culture, eh bien vous allez faire du surplace. À cause de la culture, on a perdu la vision de la mission. Parce que le missionnaire, c'est celui qui s'identifie aux gens, aux autres. Mais nous, on veut rester entre nous. Donc, on ne voit plus, on ne va pas plus loin. On voit seulement autour de nous. Et voilà ce que ça donne. Ça donne des églises complètement ethniques et ça finit comme ça. Ça donne des églises de papa et maman. Ça donne des églises
Ben, où les gens, ben, ils font de, comme vous le savez, hein, entre nous, du zaïko pour les Africains, du coupé décalé pour les Ivoiriens. Et honnêtement, quand on donne une telle onction, c'est pour aller la gaspiller en étant complètement dans la fausseté, dans le péché, en ne voyant que les gens de sa race, ça sert à rien. Il faut voir tout le monde. Il faut toucher tout le monde. Mais il faut des clés. C'est difficile, mes amis, c'est facile de chasser un démon. Mais c'est difficile de sortir quelqu'un de sa culture. Le démon, au nom de Jésus, ça sort. La culture, non. Je prends un exemple simple sur la culture. Donc, on a fini un peu par rapport au bilan, hein, donc, au niveau de l'œuvre, parce que je veux pas, il y a beaucoup de choses, on ne va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Donc, je voulais simplement vous montrer que ce que Dieu fait là, et il veut, il peut le faire avec les uns, il commence à le faire avec certaines personnes qui ont compris par rapport à leur culture, qui sortent de là, et aujourd'hui, on voit les fruits, et comment le Seigneur est en train de les utiliser. Mais il y a un travail qui a été fait dans les coulisses pour donner des conseils, pour partager la parole, et quand les gens saisissent, ça décolle. Vous voyez? Donc, par rapport à la culture, on est en France. Donc je veux attaquer aussi le côté français, européen, pas de souci. Donc, on va avoir l'équilibre aujourd'hui. On est en France, on est en Europe. Comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui se dit prédicateur? Romains 10 nous dit que comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Vous êtes en Allemagne, vous êtes en Europe, vous êtes en France. Vous ne vous exprimez pas correctement en allemand. Vous ne vous exprimez pas correctement en français. Je sais, il y a des frères qui dirigent, qui sont là, qui sont anciens, mais qui ont du mal à chaque fois qu'ils placent un mot, qu'ils sortent une phrase, qu'ils font une phrase, c'est bourré de fautes. Comment voulez-vous que les Blancs, les Européens soient touchés? C'est impossible. Impossible. Donc, vous voyez. Pourquoi il y a ce problème-là? Parce que, en fait, dans la culture aussi, hein, il y a aussi ce côté qui il y a la négligence, il y a la passivité. Hein, donc, on vit au jour le jour. Il n'y a pas de projet. Vous voyez, on ne fait pas de projet. Vous allez dans les pays africains, nos gouvernements ne font pas des projets à long terme. C'est au jour le jour. Vous voyez? Alors que dans d'autres pays, les gens ont des projets sur 50 ans, 100 ans. Ils se projettent dans l'avenir. Regardez, je prends un exemple. Vous êtes ceux qui sont d'origine africaine, arabe. Combien de ministères, de prédicateurs arabes, noirs que vous connaissez, qui ont laissé un héritage pour des générations futures? Y en a très peu. Combien ont écrit des livres? Pour laisser leur héritage à des générations futures. Il y en a très peu. Si je prends l'exemple de la RDC, nous avons connu un grand prophète, Simo Kimbangu, qui n'a écrit aucun livre. Parce que la culture africaine est basée sur l'oral. Donc, on a connu des grands prophètes comme Haydn Abala, aucun livre. Vous vous rendez compte? Aucun institut biblique pour former les gens. Aucun orphelinat. Allez en Afrique, vous allez voir des assemblées de 10 000 personnes, 20 000 personnes. Demandez-leur, vous avez conçu des orphelinats? Des centres pour des veuves? Mais par contre, vous allez les voir dans des gros 4x4. Vous allez voir, portant des grands titres, apôtres des nations, prophètes des nations, machin, tout ça, dans toute l'Afrique. On dit, voilà l'héritage qu'ils ont. Ça, ils vivent au jour le jour. C'est tout. Et Dieu ne peut rien quand c'est comme ça faire avec. C'est impossible. Impossible.
Et quand Dieu dit à un noir de faire la révision de la Bible, ce sont plus les noirs qui disent, il a changé la Bible, il a réécrit la Bible, et qui lui a donné cette autorisation? Pourquoi? Parce que, regardez la culture, hein, c'est grave, hein, c'est grave. Là, je suis en train de nous partager sur nos maladies pour être délivrés. Parce qu'on nous a fait croire que, ben, ils sont tellement, on est tellement, hein, donc, qui? Il y a l'ennemi d'abord, hein, qui a fait croire aux gens qu'ils sont tellement abrutis, tellement idiots, qu'ils sont incapables de sortir de leur médiocrité. Ça fait des vidéos, ça parle sur la forme et non sur le fond, et ça parle, ça parle, ça parle. Et regardez bien, c'est que des noirs. Tu dis, il y a un souci. Il y a deux blancs qui ont fait des critiques, mais des critiques très positives. Un bibliste, un grand théologien, et un, n'est-ce pas, un anthropologue, ou un, je sais pas, sociologue, pardon, et tout ça. Le reste, c'est les noirs des vidéos pour insulter, Bible maçonnique, Bible ci, Bible ça, tout ça. Il y en a même qui ont fait, un qui a fait une vidéo en congolais, avant même la sortie de cette Bible, en amenant plusieurs autres Bibles. Vous vous rendez compte de l'immaturité, l'incompétence, le manque de connaissances, le manque aussi de culture générale. Alors, si les gens ont un niveau aussi bas, comment voulez-vous qu'ils puissent avoir la capacité de faire l'œuvre du Seigneur? Regardez, quand Dieu appelle une personne, même si elle est considérée comme une personne vile, Dieu lui donne d'abord les béabas, les bases. Le Seigneur disait aux apôtres, quand vous rentrez dans une maison, commencez par saluer les gens. Voyez l'évangile? C'est-à-dire, c'est l'éducation. L'évangile doit nous éduquer. Le savoir-vivre. Moi, j'ai vu, lors de la distribution des Bibles chez nous, des anciens, même qui venaient d'ici, de province ou d'ici et là, qui mentaient pour avoir plusieurs Bibles. Comment voulez-vous que les gens fassent l'œuvre? C'est impossible. Tout ça, c'est la culture. Voilà. Je dis bien, quand Dieu appelle un homme, une femme, l'évangile qui va lui enseigner, hein, lui donnera l'opportunité d'atteindre un standard. Les autres vont dire en français la déontologie. Dieu lui enseigne l'éthique. Il va lui enseigner ces choses-là. Voyez? Et c'est ce qui manque. Moi, je pleure. Quand je regarde autour de moi, je dis, mais Seigneur, où sont ces hommes d'origine étrangère aussi qui vont laisser un héritage? John Wesley a laissé plus de 300 ouvrages, plus de 300 livres. Ils ont mis en place des universités bibliques, des écoles bibliques, tout ça. Là, bon, c'est payant, mais c'est. Comprenez un peu l'héritage qu'ils ont laissé. Paul a laissé un héritage. Pierre a laissé un héritage. Et nous avons des gens qui viennent. Onction, 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 onction. Et au bout de 10 ans, vous savez, ils sont bishops. On ne peut même pas les joindre au téléphone. Il faut passer par des secrétaires. Alors qu'ils ont une église de moins de 50 personnes, hein, ils sont injoignables. Des grands bishops. Quoi que vous leur disiez, c'est l'orgueil, justification. C'est la culture. Trop de justification. Et tu te dis, mais Seigneur, mais c'est comment les gens peuvent tomber si bas? En fait, c'est la culture qui nous tire vers le bas. Dans cette culture, il y a la notion de. Il y a le manque de respect. C'est-à-dire, quand on a rendez-vous, on dit 10 heures, les gens débarquent. Juste un exemple, hein, ils vont débarquer. Mariage, hein, ils débarquent à 15 heures. Je disais à un pasteur que j'ai formé dans le passé, il y a eu un mariage dans son assemblée, il était témoin. On m'a dit qu'il est arrivé il est arrivé 45 minutes après. Le maire qui devait bénir le mariage l'attendait. Et je lui ai dit, mais j'ai eu au bureau ici à l'époque, je lui ai dit, mais ça ne va pas là. Il me dit, non, ce n'était pas 45 minutes, c'est 30 minutes. 30 minutes.
Donc il a enlevé 15 minutes. Et il dit, il était sérieux. Hein? Et il commence à se justifier. C'est ça qui est grave. Il arrive devant le maire, on m'a dit, il se met à genoux pour supplier le maire, un maire qui est païen, français, qui a plus d'éducation, plus de moralité qu'un apôtre africain. Alors dites-moi, vous voulez gagner les blancs? Quand l'œuvre prend un peu de l'ampleur, l'argent commence à rentrer, il y a la bagarre entre prédicateurs. C'est pour commencer. Il y en a qui va partir avec deux, trois membres pour commencer son œuvre. Voilà comment nos églises sont nées. Et aucune œuvre ne se fait. Aujourd'hui, par rapport au bilan, toujours rapidement, le Seigneur nous a fait implanter des associations. Aujourd'hui, il y a plus de combien de d'orphelinats à peu près? 10 orphelinats qui sont mis en place. Donc le dernier là, avec lequel on collabore, c'est au Mexique. Hein. Voilà. Donc peut-être bientôt ils vont envoyer des missionnaires. Et par chaque mois, il y a près de 5 000 euros qu'on envoie dans tous ces orphelinats, tout ça. Et il y a 12 ans, on a acheté un bâtiment à Courcouronnes, toujours cash, sans crédit. Et donc, à une ville à côté. Et là, on loge combien de SDF là? Une dizaine de SDF qui sont logés. Il y a une épicerie là-bas. On vous amènera pour visiter. Donc, pour ceux qui sont venus de loin et qui n'ont pas encore vu ça, tout à l'heure, comme le fien est là, tu as les clés. Hein? Donc, on va appeler quelqu'un qui a les clés pour leur faire visiter un peu le travail qui se fait. Et d'autres assemblées, en province, notamment, ont commencé à mettre en place des épiceries solidaires où les gens vont faire des courses gratuitement. Et il y en a une vingtaine déjà au jour d'aujourd'hui. Vous nourrissez combien de personnes à Niort, Sylvain? Une cinquantaine par mois. Et à Courcouronnes, on m'a dit près de 400. 400 par mois qui sont nourris gratuitement, des familles. Je dis, mais il faut laisser un héritage, les gars. Vous allez laisser quoi? C'est que la parole, c'est moi le bishop, c'est moi l'apôtre ici, c'est ma vision, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je dis, mais les gars, là, vous faites quoi, là? Vous faites quoi? L'œuvre n'avance pas. Non, c'est pas moi, c'est les autres. C'est les autres. C'est les autres qui m'ont attaqué. C'est les autres qui. Mais il y a un problème. Même quand tu dis que c'est les autres, au moins qu'on voit quand même que l'œuvre avance aussi. Le problème, c'est ça. Un jour, j'étais en Afrique. Dieu m'a dit, tu vois tous ces nids de poules là, qui sont, c'est des trous sur les routes. Il m'a dit, c'est l'État, c'est la manifestation visible de leur cœur. Ça m'a choqué. Il m'a dit, ce que vous voyez extérieurement là, les poubelles, les immondices, c'est ce qu'il y a dans leur cœur et ils les sortent comme ça. Ceux qui vivent en Allemagne, en Europe, notamment en Allemagne, vous voyez comment les gens sont organisés? Ils sont païens. Mais vous avez vu la propreté? Vous avez vu l'organisation? Mais nous sommes chrétiens. Nous avons la culture du royaume. Un royaume qui est plus organisé que les royaumes de ce monde. Mais où est notre organisation? Où est notre sérieux? La réunion commence à 10 h, le bishop, le pasteur, il arrive à 11 h. La réunion commence à 18 h, à 17 h, il envoie un SMS aux gens pour dire, il n'y aura pas la réunion. Mais vous vous moquez de qui? C'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, retire-toi, vite, sauve-toi. Ils vont tuer la vision. Sauve-toi, retire-toi. Regardez le réveil, on fait une veillée, les gens viennent la veille à 1 h du matin, ils viennent. Alors que la veillée commence à 19 h, à 1 h du matin, ils viennent, ils dorment dans leur voiture. À 17 h, 18 h, il n'y a plus de place. Vous voyez vous-même ce qui se passe? Pourquoi? Les gens voient autre chose. Ils voient non seulement qu'il y a Dieu, mais il y a aussi l'organisation, il y a aussi le sérieux. On rend des comptes. Dans la culture africaine, on ne rend pas des comptes. Nos ministres, même au pays, ne rendent pas de compte. Il y a des tueries comme au Burundi, des gens qui s'accrochent au pouvoir. Voilà ce qui se passe. C'est la même chose dans nos assemblées. Des gens qui gèrent des assemblées, au bout de 3 ans, au lieu de se retirer, ils s'accrochent encore au pouvoir. Quand tu leur dis, sortez de là parce que la Bible le dit, ils disent, voilà, il est jaloux de nous, tout ça, là, parce qu'on a un plus grand bâtiment. Regardez ce à quoi ils sont réduits.
C'est incroyable. Tu dis, Seigneur, mais comment cela est-il possible? Dieu pleure. Pourquoi? Les Européens nous ont amené la parole en Afrique. Ceux qui étaient à l'époque petits, qui se rappellent encore, comme on les appelait les sangos, hein, les prêtres, quand ils sont venus, ils s'habillaient parfois comme nous. Il y en a qui portaient des pannes parfois, donc des vêtements faits avec des pannes, hein, donc des pannes, tout ça. Et ils mangeaient la même chose que nous. Ils parlaient le lingala, ils parlaient le bété en Côte d'Ivoire, tout ça. Ils parlaient nos langues. C'est encore le cas aujourd'hui. Ils vont dans les villages, ils parlent les dialectes. Voilà la mission. Ils sont catholiques, hein. Ils sont dans le faux. Mais voilà, ils ont compris au moins la mission. Prenons un autre exemple. Les témoins de Jéhovah, ils sont dans le faux, oui. Mais regardez comment ils sont organisés. Leurs ouvrages, c'est gratuit. Leur Bible, c'est gratuit. Hein, j'étais témoin de Jéhovah. Regardez l'organisation et regardez. Regardez chez nous les églises de réveil, les églises évangéliques, qui avaient reçu le message. Regardez le désordre. Quelqu'un me dit, ah, tel pasteur a dit que tu as formé, qu'il ne fallait pas nommer cette Bible la BJC, il fallait l'appeler la Martin Révisée. Donc, parce que dans un songe, Dieu lui a dit, mon fils, prends la Martin avant cette révision. Donc, il va de maison en maison pour dire ça. Regardez-moi la bassesse. Il a oublié que Martin a révisé la Bible de Genève, qu'il a nommé Martin. Avant, c'était la Bible de Genève. Et Osterwald a révisé la Martin et il a nommé Osterwald, il a donné son nom, comme Martin a donné la Bible de Genève, son propre nom. Mais quand nous on arrive, Dieu dit maintenant, donnez à cette Bible mon nom, parce que c'est lui qui est le propriétaire de ce livre. Ils disent, non, 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 Martin. Donc, mes amis, comment voulez-vous avancer avec de tels raisonnements? C'est impossible. Faisons le bilan dans toute l'Europe, hein. Et en France ici. Il y a un pasteur congolais que le Seigneur a beaucoup utilisé dans les années 85-86, et qui a été à la base, donc il est à la base de la plupart des assemblées congolaises ici, donc c'est sorti de chez lui, Mathieu Kayeye. Aujourd'hui, ça a donné quoi? Ça donne quoi? Il continue à prêcher, il n'y a plus de monde. Mais il n'y a aucun livre qu'il a écrit. Pourquoi? Quand l'œuvre a pris de l'ampleur, les Congolais qui étaient là, comme il y avait plusieurs tribus, ethnies, maintenant, c'était le partage de l'argent. Chacun devait avoir quelque chose. Et les Lubas sont partis avec les Lubas, les Congos avec les Congos, l'œuvre scindée, il y a eu un autre que Dieu a commencé à utiliser aussi comme lui. La même chose, il a pris les offrandes, il a acheté une villa ici. Son enfant se sauve avec l'argent. J'ai croisé cet enfant-là à Toronto, à Ottawa. Il a été frappé par le Seigneur, par une maladie. On l'a opéré comme ça. Il a perdu l'usage de la parole, il est devenu un peu fou. Il n'y a plus rien. Et ils n'ont même pas acheté, ne serait-ce que je ne sais pas, un petit endroit là pour. Il n'y a rien, rien, rien. Des villas, par contre, à Paris, il n'y a pas plein de pasteurs qui ont des villas ici avec l'argent des églises. Avec piscine. Parce que dans la culture, dans cette culture, il y a la notion de moi, 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 le moi, le moi, le moi, le moi, le moi, et les autres, on n'y pense pas. Et si on n'est pas délivré de ça, quoi que l'on fasse, on a beau avoir l'onction, ça va te rattraper à chaque fois. À chaque fois. Vous me direz, mais comment faire pour être délivré de ces choses? Ben, il faut d'abord reconnaître qu'on a des problèmes. La délivrance commence par là. Dieu dit, reconnais seulement que tu as mal agi. Un pasteur que le Seigneur a formé, que j'ai formé ici,
Il est sorti de son assemblée parce qu'il a compris qu'au bout de 3 ans, il faut qu'il sorte. Et l'œuvre avance, merci Seigneur. Il m'a dit, une sœur m'a appelé pour me dire que Dieu lui a dit que si je refais l'assemblée, j'allais tomber. Je lui ai dit, oui, Dieu m'a déjà dit ça, tu allais tomber avec les femmes. La salle dans laquelle nous sommes, comme vous le savez, hein, certainement il y en a qui ne le savent pas, c'est une assemblée que j'ai implantée. Et Dieu m'a dit, laisse, ça fait des années. Et la dernière fois que je suis venu prêcher ici, ça remonte à quand? Les anciens. 3-4 ans. Hein. Il y a une autre assemblée à Morangis. On pourra peut-être faire visiter les frères qui sont là. Et il y a une belle salle que le Seigneur a donnée là-bas. Je n'ai jamais été prêché là-bas. Ça fait combien de temps que vous êtes à Morangis? Hein? 3 ans. Je n'ai jamais été là-bas pour prêcher. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il faut, tu implantes, tu laisses que l'œuvre prospère. Et les pasteurs, à leur tour aussi, ils vont laisser. Et ça tourne comme ça. Mais nous, quand on dit, non, je suis l'apôtre de toutes ces églises-là, et chaque mois, elles doivent m'envoyer de l'argent. Eh bien, je dois prendre une grande maison, je dois avoir un gros 4x4, et c'est le grand patron qui a mis en place des pièges pour attraper le gibier. Hein? Maintenant, chaque fois qu'un gibier est pris dans le piège, lui, il vient, il prend. C'est pour cela que ceux que j'ai formés, il y en a un qui est un pasteur qui m'a dit, faut pas donner l'autonomie. Ce sont nos églises. Je dis, ce sont tes églises. C'est toi qui es bon à la croix pour ces églises-là. Donc toi, tu veux que je garde les églises là afin de faire une mission ici là, pour aller prêcher, avoir les enveloppes. Non, 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 mon coco, là, c'est fini, là. Nous avons des problèmes. Qui a réalisé que nous avons des problèmes? Nous avons des gros problèmes. Regardez, le premier signe que l'on doit trouver chez un berger, c'est quoi? C'est l'humilité. L'humilité. Mais on constate que beaucoup de ceux qui dirigent, ils ne sont plus humbles, ils sont pas. C'est-à-dire, c'est grave. Tu dis, Seigneur, mais il y a un problème. Je me rappelle, à l'époque où j'étais encore l'apôtre ici, là, j'avais reconnu des frères au service, donc consacrés à la consécration à l'époque. Hein. Et il y en a un papa, un monsieur d'un certain âge, dès l'instant où il a été nommé prophète, le lendemain, je l'ai vu venir à une réunion, il avait une grosse mallette. Je dis, oh, mais et je vous assure, même sa démarche avait changé. Je dis, voilà quelqu'un qui se destine à l'enfer. Et aujourd'hui, on fête son anniversaire dans sa salle d'église. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux. Et les gens sont contents là-dedans. Je regardais ça sur YouTube, je dis, Seigneur, oh, voilà, Seigneur, tu m'as délivré, c'est pas possible. Regardez. Dieu sauve-nous. Alléluia. C'est grave. Bon, on a fait rapidement un peu le bilan. Maintenant, dans la culture européenne, qu'est-ce que l'on trouve? Le raisonnement. Il y a l'organisation, mais l'organisation est tellement poussée, hein, donc à l'extrême, que Dieu est exclu. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient et il dit, non, vous avez prévu de prêcher à 10h40, moi je veux que vous prêchiez maintenant, ils disent, non, 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 nous avons notre programme. À part quand il y a le mouvement de réveil, tout ça un peu, mais sinon, c'est l'organisation qui a tout remplacé. Le raisonnement. Et la majorité des pasteurs ici en Europe sont aussi dans la franc-maçonnerie. Ils sont dans l'œcuménisme.
encourage la masturbation. Encourage, comment dire, le divorce et le remariage. S'adapte aux lois qui sont votées dans le pays. Et je ne dis pas que certains Africains et les étrangers ne le font pas. Donc, voyez, y a plus, il n'y a pas le feu, il n'y a pas le. Même la vie de prière comme ça, là, il n'y a pas. C'est rare. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une réforme. Le message que le Seigneur a envoyé, beaucoup de ceux qui étaient là se disaient non, c'est pas pour, c'est n'importe quoi, ça mène le désordre. Il faut une réforme. Il faut, c'est une nécessité, une réforme. Je tiens à préciser que ceux qui étaient là depuis, ceux qui sont là depuis longtemps, même tels que nous sommes là, beaucoup n'ont pas compris le message, ne vivent pas le message. Il faut une réforme. C'est capital. Elle est salutaire. La réforme, ce n'est pas de l'orgueil, hein. La réforme de Luther n'était pas achevée. En étudiant l'histoire du christianisme, je me suis rendu compte que ni Luther ni Calvin n'avaient achevé la réforme. Le catholicisme romain a exclu, a caché la Bible aux chrétiens à l'époque. Le protestantisme a rendu la Bible aux gens. Mais il a empêché les gens de se servir de ce livre pour s'encourager mutuellement. On rend la Bible aux gens et on leur dit, ça c'est le protestantisme. Ils rendent la Bible aux gens et ils disent aux gens, aux chrétiens, eh bien, par contre, vous n'avez pas le droit de parler dans l'assemblée avec la parole. Le seul droit que vous ayez, c'est d'écouter la prédication du pasteur. C'est tout. Donc, ensuite, Calvin avait Luther, tout ça, avait des doutes sur la Trinité. Ils avaient du mal à prendre position par rapport à ça parce que ça allait faire encore plus de désordre. Donc, il faut une réforme. Regardez la majorité de nos assemblées aujourd'hui qui sont paganisées. Moi, je vois, regardez même les gens qui étaient avec nous à l'époque, vous le savez, vous êtes bien, bien placés. Comment aujourd'hui ils sont repartis dans toutes les choses qu'ils ont dénoncées? Ordination, soutane pour certains, la dîme, toutes ces choses-là, tout, tout, tout. Collaboration avec des pasteurs impudiques. Pour votre information, vous qui êtes également, nous qui sommes également venus d'Afrique, au jour d'aujourd'hui, notamment en Afrique, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, tout ça là. Beaucoup des pasteurs sont dans la cabale. Voilà pourquoi ils vont beaucoup parler de l'ordre de Melchisédek. C'est écrit dans la Bible, mais ils l'ont déformé. C'est de la cabale. Ils parlent de la sortie de leur corps avec leur esprit. D'accord? Et ça, vous devez le savoir. Beaucoup sont dans le. Ils vont en Inde. Et ils vont juste, comme au Congo, là, sortir maintenant des lézards, des corps des gens, des lézards visibles, des serpents, tout ça, là. C'est-à-dire, c'est des pratiques que des magiciens font. On a des vidéos comme ça sur YouTube, des Congolais qui font ça. C'est ne plus cacher. Il faut une réforme. Voilà, on a des grands prédicateurs au Congo à l'époque qui prêchaient la vérité. Aujourd'hui, ils sont dans tout ce qui est soutane. Vous le connaissez, ces choses-là, là. Donc, ces églises ont rejoint l'église catholique. Je prends un exemple. Au Congo, il y a un monsieur qui est très connu, un pasteur, Sonny Kafuta. Il organise des, n'est-ce pas, des combats de boxe dans la salle de son assemblée. Il a divorcé au moins 3 ou 4 fois. Il couche avec toute la plupart des femmes. Mais son bâtiment est rempli. Et il collabore avec la plupart des pasteurs du pays. D'accord? Aujourd'hui, un autre pasteur très connu, Mukuna, qui a fait jouer dans un stade. Donc, il dirigeait une équipe de foot. Il était président d'une équipe de foot très connue, Imana, qu'il a scindé en deux. Il a créé du désordre. Il a créé sa propre formation.
Hein, donc sa propre équipe, qu'il a nommée Renaissance, il a fait jouer dans un grand stade, hein, un musicien profane qui est sataniste, et le stade était plein à craquer, et il y avait des femmes habillées de manière légère qui dansaient, des danseuses, des musiciens profanes. Et voilà ce qui se passe dans nos pays, nos assemblées. Pour votre information, la plupart des chantres que vous connaissez, même européens ici, américains, les Ron Connolly, ils jouent avec des musiciens païens. Leurs guitaristes, c'est des païens. Ils jouent dans les groupes païens. Le mélange a atteint un tel degré aujourd'hui. En fait, c'est Babylone, c'est ça, le mélange par la confusion. La confusion par le mélange, pardon. Donc, le mélange a atteint un tel degré que le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Et l'heure est grave. Il n'y a pas un seul verset dans ce livre où il a été question, où il est question de la vente de l'enseignement biblique. Au contraire, la parole condamne cela. Ouvertement. Et nos églises, la plupart de nos églises ont rejeté la vérité, ont rejeté Dieu. Je voudrais dire ceci. Vous êtes là, ancien d'église, dirigeant d'église. Un frère me disait, ah, que j'ai appelé, je ne citerai pas ton nom, t'inquiète pas, mais je veux simplement vous montrer à quel point vous êtes dans la compromission, à quel point vous ne voulez pas prendre position pour la vérité. Et Dieu, si vous continuez, va vous rejeter. Le frère me dit, j'étais chez moi, un monsieur qui se dit frère, qui est dans l'assemblée d'où ce frère est sorti, qui est menteur, qui est dans la compromission. Il est venu chez lui, donc c'est chez ses frères. Je me disais dans mon cœur, mais pourquoi ne l'as-tu pas chassé? Et je te le dirai tout à l'heure clairement, t'inquiète pas. Moi, tu prends pas position pour la vérité, tu fais semblant d'être chrétien, tu te mélanges, tu vas dans une assemblée où tu sais pertinemment que le dirigeant, l'apôtre, est dans le péché, dans la compromission, et tu viens chez moi. Mais non, mais je te dis, sors de chez moi. La Bible dit, Jean nous dit, si quelqu'un va plus loin que la doctrine, ne lui dites même pas salut, car celui qui lui dit salut participe à son péché. Vous voulez qu'on collabore ensemble? Vous devez savoir ce que vous voulez. Sinon, ça va péter encore demain. Non. C'est pour cela qu'on a mis sur TV de vie, nous ne collaborons avec aucune église. Parce qu'on s'est dit, mais les gens ne prennent pas position. Quelqu'un qui se mélange, qui vient chez vous pour vous espionner. Mais chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui a pris position. Pourquoi restez-vous dans la culture? Mais vous ne vous rendez pas compte qu'il est question de votre éternité. Jésus a dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut prendre position, mes amis, là. Ah non, tu viens pas chez moi pour espionner, tu viens pas. Non, non, on a pris position. Mon épouse et moi, depuis des années, on a pris position. Non, c'est comme ça. Et quelqu'un qui prend position, on en parlera tout à l'heure, prendre position. Quelqu'un qui prend position, Dieu va l'accompagner, Dieu va l'utiliser, Dieu va l'amener à délivrer les autres. Vous savez, si tu prends pas position comme Élie, tu vas tourner en rond. Non, il faut la sagesse, il faut l'amour. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'amour. L'amour, c'est d'abord l'amour pour Dieu. C'est pas d'abord l'amour pour les hommes. Le premier commandement dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Pourquoi le cœur? Parce qu'il y a des pensées, il y a les sentiments. De toute ton âme. Pourquoi l'âme? Des sentiments. De toute ta force. Il faut une force. C'est d'abord Dieu qu'on doit aimer avant d'aimer les autres.
Le problème, c'est que on confond les sentiments avec l'amour. C'est pour ça qu'il faut une réforme. La réforme, c'est quoi? C'est tout ça là. On revient à Dieu. On revient au premier commandement. Le Seigneur l'a dit, hein. C'est pas, la réforme, c'est pas quelque chose de, on va détailler les choses, il faut ça, il faut ça. Non. C'est deux commandements. Ça. On revient à ça. Là. Un scribe dit au Seigneur, quel est le plus grand commandement? Le Seigneur dit, écoute Israël. Shema Israël. Écoute avec, écoutez. Shema ici, là, c'est écouter, hein. Ça, vous le savez, c'est écouter et comprenez. Parce qu'on peut écouter, on peut entendre et pas comprendre, ne pas comprendre. Si je dis Yaka, les Congolais vont, tout le monde entend, seuls les Congolais vont comprendre. Voyez? Donc, Shema, c'est quoi? J'entends et je comprends le message. D'accord? Shema Israël. Adonai, Shema Israël. Adonai, Elureinu, Adonai, Ehad. Écoute Israël, il faut écouter, il faut écouter. Le problème, c'est que, vous savez, Abraham a écouté Dieu. Dieu lui a dit dans Genèse 15, je te donnerai un enfant. Il a écouté Dieu, mais il n'a pas compris Dieu. Pourquoi? Parce que dans Genèse 16, il va écouter la parole de sa femme qui l'amène à accoucher avec Agar. Dieu vient de te parler que tu auras un enfant, mais lui-même va trouver une solution charnelle. Et voilà comment beaucoup de gens font. Les sentiments. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est comme ça. On ne marchande pas avec l'éternité. On ne marchande pas avec la parole de Dieu. On ne marchande pas avec les âmes. On prend position pour le message de Dieu. On prend position pour l'évangile, frères et sœurs, jusqu'au bout. Même s'il faut mourir, je prends position. C'est ça, être chrétien. C'est pas non, on est des potes, on se connaît depuis des années, on est amis, ce sont nos enfants. Quel enfant là? Oh non, ce sont ses enfants dans la foi. Ce sont ses... Ah bon? Mes enfants là, quand moi Dieu m'a appelé, il y avait qui? Quand on sera devant le trône, on sera seul. Quand tu seras dans ton cercueil, tu seras seul. Ta femme ne sera pas là. Oh, parce que ma femme dit, ah bon, hein, Ève va faire sortir Abraham de son appel. Écoutez toujours, Adam, pardon. Écoutez toujours vos Ève là. Et continuez à écouter toujours vos Ève. Hmm? Quand Dieu t'a appelé, ta femme était là? Non. Non, ma femme a dit, mon mari a dit, toi ma soeur, quand Dieu t'a appelé, ton mari était là? Lot a reçu la paix, sa femme a voulu qu'il reste. Mais Lot n'a pas suivi sa femme. Dieu a dit à Adam, vous ne mangerez pas ce fruit. C'est à l'homme que Dieu a dit ça. Et l'homme devait dire à sa femme qu'il est interdit de manger ce fruit. Lui, il a reçu l'appel, il a reçu un ordre, et c'est sa femme qui le détourne de la vision de Dieu. Voilà le problème de beaucoup ici. Parce que la réforme, c'est aussi le fait que chaque homme doit retrouver sa position d'homme dans le foyer. Chaque femme doit retrouver sa position de femme dans le foyer. Si l'ordre est inversé, il y a le désordre. Et ça amène à toutes ces choses-là dans nos assemblées aujourd'hui. Là. Chérie, je veux des bijoux. Et les bijoux, tu vas les avoir avec l'argent de l'église. Alléluia. Oh Seigneur, il faut une réforme. Nous sommes à une époque où, qu'on le veuille ou pas, Dieu dit c'est le temps. Il faut la réforme. Il faut une réforme profonde. Je vous assure, il y a beaucoup de gens qui disent, si je n'avais pas écouté ce message là, des pasteurs, hein, je serais parti en enfer. Je dis oui, moi le premier, parce que quand Dieu a commencé à me montrer les choses, il m'a dit, hein, je vais t'enseigner comme on t'a jamais enseigné. J'étais pasteur d'une église de 700 personnes. Il y avait toutes les nations, hein, blancs, noirs, tout ce que vous voulez. On avait 10 000 euros de dîmes par mois. 10 000 euros de dîmes par mois. Dieu dit, il faut laisser tout ça. Je voyageais dans le monde entier, prêchant dans les églises de 8 000 personnes, hein, chez les Espembakal, tout ce monde que vous connaissez, les Congolais, tout ça, aux États-Unis, des grands hommes, tout ça, américains, tout ce que vous voulez, haïtiens. Dieu dit, il faut arrêter tout ça. Il faut une réforme, il faut un retour total à ma parole. Il faut prendre la parole, il faut prendre l'épée, il faut la séparation. Parce que quand on revient à Dieu, au premier commandement, écoute Israël,
Tu dois aimer Yahweh de tout ton cœur. Quand on commence à aimer Dieu, automatiquement, tu vas haïr le péché. Amen. C'est comme ça fonctionne. Le Seigneur a dit quoi? Si vous m'aimez, ouais, nous sommes, la réforme c'est ça, hein, c'est deux choses. Hein. On revient au commandement de Dieu. Voyez? On va prendre juste un passage et puis après on va pouvoir faire une pause. Marc, chapitre 12, verset 28 au verset 31. Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Alléluia. Quel est le premier de tous les commandements? Le premier. Jésus répondit: le premier de tous les commandements est: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Amen. Ensuite, il dit quoi? Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. On arrête d'abord au premier commandement. Un jour, Dieu m'a dit ceci. Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à appliquer le premier commandement? Il m'a dit parce que vous avez un Dieu trinitaire. Comment aimer quelqu'un qui est coupé en trois morceaux? Parce que vous allez devoir partager votre amour envers trois personnes. Dieu dit, Yeshua dit, Dieu est un. Dieu n'est pas trois. Il est un. Il y a un seul Dieu, nous dit la parole. De Genèse à Apocalypse, Jésus n'a jamais dit qu'il y a trois dieux qui forment un seul Dieu. Ça, c'est complètement Babylone. D'accord? Ça, on le sait. Il y a des enseignements par rapport à ça. Dieu est un. Voilà pourquoi, parce qu'il est un, tu peux véritablement l'aimer. Tu ne peux pas aimer trois personnes pareillement. Il y a toujours quelques nuances, tout ça là. Et Dieu est un. Donc, c'est pour ça qu'il est dit de toute ta pensée, de tout ton cœur, toute ton âme. Donc, ça, c'est la base, c'est le premier commandement. Quand on arrive dans le Seigneur, c'est la première chose que l'Esprit nous enseigne. Il t'apprend à aimer Dieu plus que ta femme. Il t'apprend à aimer Dieu plus que ton mari. Parce que si ce n'est pas le cas, tu vas te laisser dissuader par ta femme, par ton mari. Tu vas te laisser entraîner comme Adam par sa femme pour sortir de la vision de Dieu. Et beaucoup de ceux qui sont tombés aujourd'hui ont écouté leur mari ou leur femme. Le problème, c'est que tu es à ce niveau-là. Toujours, ça se répète. Hein? Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ève et Adam, c'est l'histoire biblique. Voilà. Au lieu que ta femme te dise la vérité, là, tu t'es égaré. Non? Les sentiments. Oh, mais tu sais, c'est quand même. Il faut que ton mari te dise la vérité ou ta femme. C'est important. Et là, Dieu dit, tu aimeras. Il n'a pas dit ici, là, regardez bien, mes amis, là. Il n'a pas dit, vous aimerez. C'est une affaire personnelle, individuelle. Toi, tu dois aimer Dieu. Si ta femme n'aime pas Dieu autant que toi, mais toi, tu dois continuer à aimer Dieu comme ça. Si dans ton assemblée, les autres pasteurs ne sont pas comme toi, toi tu dois prendre position. C'est toi dont il est question, c'est toi dont il est question. D'abord. Ah oui. Il est dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi. Il y a toujours toi et les autres. Mais d'abord toi. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur la doctrine. En agissant ainsi, 1 Timothée 4, 16, tu te sauveras toi-même. Et ceux qui t'écoutent. Mais si toi-même t'es pas sauvé, si toi-même t'es pas libéré, comment veux-tu libérer les autres? Avant de prier avec les autres, c'est d'abord toi. Avant de vouloir jeûner avec tout le monde, c'est d'abord toi qui dois jeûner. Il y
Il y en a, ils jeûnent par effet de foule, masse, hein, donc tout ça là. C'est d'abord toi, c'est de toi dont il est question. C'est toi, c'est moi que Dieu veut devant lui. C'est ça, la réforme. C'est simple, hein? On n'a pas dit le premier commandement, c'est de jeûner 40 jours. Non. De faire 21 jours de jeûne, non. Il y en a qui ont fait deux fois 21 jours. Regardez Daniel, celui qui a fait qui est le premier à jeûner 21 jours. Il a fait une seule fois dans sa vie. Nous, c'est devenu une doctrine. Hein? On est fier, j'ai fait 4 fois 40 jours, mais tu vas mourir si demain tu as des problèmes de reins. Hein? Oh, c'est un sorcier qui m'a attaqué. C'est toi le problème? Moi, je vais vous dire une chose, ça peut vous choquer, je jeûne de temps à autre, mais jeûner 3 jours à sec, ça fait des années, hein? Je ne sais même plus. Parce que les gens pensent que parce qu'ils vont jeûner, l'onction va venir. Ça, c'est très africain. Le Seigneur a dit, tout est accompli. Il n'a pas dit par ton jeûne, tu as fait les choses. C'est pas par là, c'est par grâce, c'est pas par les œuvres. Alléluia. Voilà. C'est l'obéissance à Dieu qui déclenche les choses. Ce ne sont pas tes jeûnes, non? Donnez-moi un verset, vous avez vu que dans la Bible, je ne peux avoir l'onction. Ça, c'est la sorcellerie. Les sorciers font ça. Non? Eldad et Medad, qui étaient parmi les 70 anciens sur qui l'onction est tombée de Moïse, l'onction de Moïse, ils étaient dans leur champ, hein, Eldad et Medad, en train de travailler dans le champ. Ils avaient jeûné où? Alléluia! Il ne faut pas. Élisée est en train de travailler quand on lui a jeté le manteau. Non, il faut qu'on soit enseigné là, mes amis. Il faut qu'on soit délivré des traditions et des coutumes. Alléluia! Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira au nom de Jésus! Voilà! C'est quand tu reçois l'onction que tu peux jeûner. Parce que l'onction te donne la force pour jeûner. Quand tu reçois l'onction, tu peux prier. C'est ça le message. Voilà. Les gens comprennent les choses à l'envers. Attends, mes amis, là. Il y a un problème. Hein? Seigneur, je fais 4 jours pour là. Il y a un frère qui a fait 7 jours. Il est là, mais parfois on rigole. 7 jours à 5, il est sorti. Je dis, alors Dieu t'a dit quoi? Que dalle. Il y a eu quoi? Rien. Tu as souffert inutilement? J'ai eu un frère au Congo il n'y a pas longtemps. J'ai eu un frère au Congo il n'y a pas longtemps. Il a perdu sa femme. Je lui ai dit, comment est-elle morte? Hein? Il dit, mais elle avait des problèmes de santé. Elle souffre de diabète. Elle va jeûner 40 jours. Elle est morte. Ben ouais, elle est morte à moins de 50 ans. À quoi? Moins de 50 ans. Pourquoi? Parce qu'on a fait croire aux Africains que le fait de faire 3 jours à sec, ils vont avoir la puissance. Ils sont là, ils forcent. Et arrivé à la fin du jeûne, ils sont contents parce qu'ils ont réussi. C'est l'orgueil. Voilà. Esther a jeûné une seule fois 3 jours. Nous, c'est devenu une doctrine. Le jeûne est biblique, mais touché par l'esprit, et Dieu te conduit à faire les choses dans l'esprit. La prière, par contre, c'est tout le temps. Il n'y a pas de souci. Ah oui. Simple comme cette nuit. Je me suis couché vers 1h, 2h, et Dieu m'a réveillé 1 heure après pour la prière. J'étais fatigué, je me rendors. Il te réveille encore, il faut prier. Tu pries, tu pries, tu pries. Ensuite, il te réveille encore, tu pries. C'est comme ça. Il n'y a pas de problème, l'onction de la prière. Mais il faut qu'on comprenne, il faut qu'on soit délivré de beaucoup de choses. On a tellement mal compris les choses. Le premier commandement, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Dieu te dit, c'est par toi, quitte ton assemblée, quitte. Quand on obéit au Seigneur, si quelqu'un obéit au Seigneur, cette personne aura beaucoup d'ennemis. Mais il faut savoir ce que tu veux. L'obéissance au Seigneur coûte cher. Ça va coûter ta réputation. Ça va coûter même ton bâtiment. Ça va coûter même ta vie. Mais les fruits qu'on recueille, là, mes amis, sont meilleurs. Voilà. Le Fils a obéi au Père jusqu'à la mort.
Parce qu'il aimait le Père. En fait, dans l'amour, il y a le sacrifice. L'amour parfait, c'est ça. L'amour consiste, le Seigneur a dit, à donner sa vie. Voilà pourquoi beaucoup n'aiment pas Dieu, parce qu'ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Il y a des personnes qui écoutent le message et là, ils te disent, non, je ne t'ai pas converti, frère. Je dis, oui, c'est vrai. Je ne t'ai pas converti parce que j'aimais tellement ma vie. J'aimais tellement mon ministère. J'aimais tellement les frères et sœurs. Je ne voulais pas m'en séparer alors que Dieu me faisait comprendre qu'il fallait que je bouge. Je vais vous dire une chose. Il y en a qui disent, frère, comment tu fais pour garder cette onction-là? Comment tu fais pour... J'ai eu un songe il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait dans ce songe, comment il fait pour garder l'onction comme ça depuis des années, tout ça là? Et ça ne fait que croître, tout ça. Et le Seigneur lui a répondu, hein, une voix est venue parler en disant, parce qu'il est fou. Un fou, il n'a plus de raison. Un fou ne calcule plus. Il est fou. Paul était fou. La passion de Christ. Un fou, si on dit saute, il saute. Il n'y a pas de vide hein, pour le fou. Là. Il est sur un toit. Pour lui, il y a encore du béton. Il saute. Voilà. La foi, c'est ça. Être fou, c'est avoir la foi. Alléluia. Toi, tu as encore de raisonnement. Dieu dit, quitte ton assemblée, c'est ton temps pour rentrer dans une nouvelle onction. Toi, tu dis, mais comment je veux faire pour vivre? Comment je veux faire? Mais le comment, là, ça te sort. Ça t'éloigne de presse. Oh, alléluia. Le problème, c'est quoi, frère? C'est que nous n'aimons pas Dieu assez. Regardez, pasteur d'une église de 700 personnes, on va finir vers peut-être 40, pasteur d'une église de 700 personnes, Dieu veut me voir, il me dit, sors de là. Je dis, moi Seigneur, c'est compliqué ici, j'aime les frères et sœurs, on est nombreux, il y a la gloire qui se manifeste, tout ça, il y a plus de 700, 800 personnes, il fallait voir la salle qu'on avait, on avait parmi les plus belles salles de toute la France, on était parmi les 5 églises qui avaient les plus belles salles de France. Fallait voir mon bureau à l'époque. Mais c'était grave. L'homme de Dieu. Dieu disait, je vais te tailler, tu vas voir. Alléluia. Oh Seigneur. Quand Dieu a commencé à me tailler pour que je l'aime plus que l'œuvre. Nous aimons l'œuvre plus que le Dieu de l'œuvre. Il m'a donné des coups, bam, par derrière. Là. Et je vous assure, hein, ça fait quelque chose. Hein. Après, c'est comme si tu perds tes dents. Hein. Ah oui, hein. C'est quelque chose. Hein. En un temps très court, on a tout perdu. Tout, ça vous le savez. Regardez. Aimer Dieu. On a dit quoi? Enoch marcha avec qui? On n'a pas dit Dieu marche avec Enoch. Enoch marcha avec Dieu. Donc forcément Dieu marche avec lui. Mais en fait, quand on dit Dieu marche avec cet homme, ça veut dire que Dieu suit l'homme. Alors que c'est l'inverse. C'est l'homme qui doit marcher avec Dieu. D'accord? C'est-à-dire, Dieu me touche et je l'aime tellement que je décide de le suivre. Vous comprenez? Pas pareil. Donc, aimer Dieu, ça dépend de la grâce du Seigneur qui vient sur toi et tu dois prendre position. Amen. Jésus a dit quoi? Choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons. Voilà. Enoch marche à Dieu. Ça veut dire quoi? Regardez. Tu es pasteur pendant 3 ans. Dieu te donne l'onction, les choses se manifestent. Mais si tu commences à voir qu'il y a des problèmes, il y a des trucs, c'est que tu n'es plus dans ton onction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser cette assemblée. C'est tellement simple qu'on a du mal à comprendre. Frères et sœurs, regardez. La réforme, je vous ai dit, c'est le retour à Dieu. Nous sommes d'accord, hein? Au premier commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. On l'a lu. Que signifie aimer Dieu de tout son cœur? C'est ce que je suis en train de vous partager ici. Regardez dans la Bible. C'est une réunion de dirigeants, de pasteurs, tout ça, ce que vous voulez. Yeshua est notre modèle le plus parfait. Il a dirigé une église de 12 personnes pendant combien de temps? 3 ans. Il nous a montré le modèle. D'accord? Ensuite, il est parti.
Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre défenseur. Ça veut dire que quand on implante une église, au bout de 3 ans, il faut partir et la laisser avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia! Est-ce que vous comprenez le message? Nous, on a pris l'esprit parce qu'on ne le voit pas. On dit, il est incapable. Je dois trôner, rester sur mon trône. Sinon, l'œuvre va se casser. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et personne ne pourra la détruire. Alléluia! Voilà! La foi, t'es pas assez fou. Ça, c'est moi, là, c'est moi, là, c'est moi, c'est moi, c'est moi le bishop. Envoyez-moi un SMS, tout ça là. Bah oui, t'es sorti déjà là, c'est fini. T'es mort. Le rakakakaka, ça c'est du passé, ça c'est, il n'y a plus rien là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a un temps où les nouveaux convertis ont besoin de voir des modèles. D'accord? Alléluia. Mais au bout de 3 ans, ils t'ont assez vu. Alléluia. Et tu ne comprends pas qu'ils t'ont assez vu. Il faut maintenant leur dire, il y a quelqu'un d'autre qui est meilleur que moi. Je vais vous montrer cette personne-là. Je vais vous apprendre à marcher avec. Et puis c'est tout. Et quand on bouge, là maintenant tu continues à suivre Dieu et tu vas rentrer dans une nouvelle onction. Alléluia. C'est comme ça que Dieu procède. Nous, le système pastoral nous a dit, il faut rester sur place. C'est ce que moi je croyais aussi. J'avais mon église de 700 personnes, j'étais à l'aise. Hein, 10 000 euros de dîmes par mois. Bon, je ne prenais que 500 euros pour mon, comme salaire, avec des fiches de paye. On était quand même bien organisé aussi à l'époque déjà. Hein. Donc, j'étais là tranquille, mon bureau. Ah, oh, pasteur, ah, c'est moi le pasteur. Ah, c'est moi le pasteur. Dieu dit, tu vas sortir. Trois ans. On a perdu le bâtiment. Alors, comme beaucoup de chrétiens, si on perd un bâtiment, on commence à dire, non, Dieu n'est plus avec nous. Ah, Dieu n'est plus là, Dieu n'est plus là. Dieu m'a dit, si, je suis toujours avec toi. C'est le bâtiment qui est resté. Alléluia. Et je suis rentré dans une nouvelle onction, l'onction apostolique. Et on a commencé à implanter des assemblées du ciel, pas facilement. Donc, des assemblées, on ne peut même plus les compter aujourd'hui dans le monde entier. On ne peut même plus les compter. Rien qu'au Gabon, c'est dans les 9 régions. Rien qu'au Gabon. Rien qu'au Gabon, c'est impressionnant, l'assemblée mère où les gens se retrouvent. Il y a tellement de frères et sœurs qui viennent. C'est une plateforme. Et partout, Côte d'Ivoire, partout, partout, le monde entier, les Antilles, tout ça là. Et Dieu vient, il me dit, sors de là. Sors de là, retire-toi. T'es plus apôtre là, de tout ce monde là. Sors de là. Je réunis les gens, je me retire. Il y en a qui m'ont dit, on va faire comment? Je dis, quand, avant de me connaître, vous faisiez comment là? Idolâtre. Nous, au lieu de former des disciples, nous fabriquons des adeptes. Nous fabriquons des idolâtres. Il a dit le Seigneur, hein, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et ensuite, j'ai réuni les frères et sœurs, je leur ai dit, bye, ciao. Ciao. Oh, viens, on va faire un séminaire. Non, c'est fini. Dieu m'a dit de me retirer là. Maintenant, les gens se disaient, ça y est, c'est fini. Dieu n'est plus avec lui. Hein? Même déjà que j'avais formé des pasteurs. Hein? Et Dieu n'est plus avec lui. C'est fini. De toute façon, c'est fini pour lui. Ils sont réunis. Il y en a qui ont pris du recul pour dire, oh là, on va regarder de loin ce qui va se passer. Et Dieu dit, commence les réunions de réveil. Vous avez vu? Voilà ce qui se passe ici et là maintenant. Et un temps viendra où Dieu dira, oh, se passe à autre chose. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est Dieu est le Dieu des saisons. Ne restez pas pasteur à vie. Vous allez mourir. Il y a un frère qui est pasteur, sa femme, il m'a dit, ma femme a prié le Seigneur pour que Dieu me sorte de là. Ah, quelle femme, que Dieu donne de telles femmes aux frères, c'est important. Qui n'a pas voulu que son mari règne en bishop. Et le frère a rassemblé l'assemblée, une belle assemblée comme ça, hein, et il a dit, ok, ciao, au revoir. Et voilà comment les frères et sœurs qui travaillent simplement, comment Dieu se sert d'eux aussi. Et lui maintenant, quand il sort comme ça, il va avoir des nouvelles directives. Dieu va lui dire, par exemple, tu vois, dans telle ville, il y a des gens qui t'attendent. Il va y aller, il va annoncer la parole et des gens seront touchés. Si vous restez localement à vie, vous allez mourir la plupart des bishops. Voilà, aimer Dieu de tout son cœur. C'est le suivre en fonction des saisons.
Et le problème, beaucoup ne veulent pas suivre le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils implantent une assemblée et ils mettent leur confiance dans cette assemblée pour avoir un salaire. Donc, du coup, l'église locale remplace Dieu. Alors que Dieu veut être la source de toutes choses. Et il est la source de toutes choses. Et nous, on le remplace par l'église locale. Parce que les mêmes qui vont te nourrir aujourd'hui, demain, ils vont te tuer. Pose-toi la question, ça va être combien de temps que tu diriges cette église? Combien d'années? Il y en a qui vont dire, non, mais moi je veux bouger bientôt. Je sais qu'ils ne vont pas bouger. Je sais, du mensonge. Ils ne vont pas bouger. Mais ça, c'est votre problème. Hein. Ceux qui veulent mourir, c'est leur problème. Moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Voilà. On va dire, non, mais ça, c'est son appel. Non, ce n'est pas une question. Paul a travaillé 3 ans à Éphèse. Il a rassemblé les anciens, il leur a dit, vous ne me verrez plus. Vous voyez? Pareil, 3 ans. Pareil. 3 en hébreu est le chiffre du fondement aussi. 3. Il faut 3 ans pour faire un disciple, bien comme il faut. Dès la conversion, la personne est disciple, il n'y a pas de problème. Mais il faut l'enseigner pendant un certain nombre de temps. Et ensuite, il faut que cette personne doit maintenant marcher avec le Seigneur. Voilà. Sinon, vous allez. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous restez au-delà de 3 ans, vous allez commencer. Il va y avoir des liens d'âme, des liens charnels qui vont se créer. Vous voyez? Vous allez commencer peu à petit à perdre la vérité. Parce que. Tel frère va donner une grosse somme d'argent régulièrement. S'il est dans le péché, vous n'allez plus lui dire la vérité. Parce que vous êtes dépendant de lui financièrement. C'est lui qui paye votre maison, qui paye votre voiture. Donc du coup, vous, peu à petit, vous vous éloignez de la vérité du Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. Si ce n'est pas l'argent, ça va être une femme qui est là, une belle femme qui est là. Tu vas t'attacher de plus en plus à elle. Oh, c'est ma fille, c'est ma secrétaire. Je passe par elle pour qu'elle diffuse le message. T'es cuit. Demain, tu commences à voir ta femme comme une vieille femme. Hein? Je vous dis, comment tu peux appeler une femme comme ça au téléphone tard, là, comme ça, aux 22h, tu es avec une sœur? C'est pas normal. Oh, je suis en train de l'encadrer. Ah bon? Paul dit que les femmes enseignent les femmes. Hein? Il n'a pas dit que les pasteurs doivent encadrer les femmes? Les gens vont commencer à t'appeler mon pasteur, notre pasteur. Et on aime ça. Yahweh est mon berger. On n'a pas dit Shorai est votre berger. Non. Oui. Là, il n'y a pas de souci. On va donner le micro parce que les gens suivent chez eux. Je pose une question. Si, par exemple, dans la plupart de nos ensembles, le peuple de Dieu, après ce délai, n'est pas enseigné. Il y a seulement des prédications, parce que la plupart de nos ensembles sont seulement des prédications. Il n'y a pas d'enseignement. Et le peuple n'est pas enseigné. Faut-il normalement aussi laisser l'église, laisser les peuples à ce niveau ou comment? Très bonne question. Alors, le premier enseignant, c'est le Saint-Esprit, ça on le sait. L'onction nous enseigne toutes choses. Maintenant, si les gens ne sont pas enseignés, bon, maintenant que vous avez écouté ce message, vous devez vous rattraper rapidement. Si vous n'avez pas l'enseignement, demandez aux frères et sœurs qui ont l'enseignement de venir intervenir pour enseigner les frères et sœurs. Et aussi, comment les gens peuvent-ils être aussi enseignés? C'est en les laissant aussi se débrouiller seuls. Regarde, le Seigneur prend Pierre. Pierre avait son caractère, non? Avant la Pentecôte, quand il a appelé les 12. Et aussitôt, il les envoyait en mission. Ils avaient encore leur faille. Qui les envoyait quand même en mission. C'est comme ça qu'ils apprenaient aussi. Vous ne pouvez pas dire aux gens, nous allons vous enseigner, tout en leur interdisant l'accès à la parole, à l'exhortation, à la mission. D'accord? Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi. Vous voyez? C'est aussi ça l'enseignement. Ce n'est pas seulement de manière didactique. Reste assis, je veux parler. Non, ça va rentrer, ça va sortir. Donc lève-toi, travaille. D'accord? Et c'est comme ça que les gens vont apprendre. Je vous assure, si je n'avais pas obéi au Seigneur, si Dieu ne m'avait pas enseigné ces choses pour sortir de la fonction pastorale, Dieu, écoutez bien, Dieu n'appelle jamais quelqu'un pour que la personne reste dans une fonction à vie. Ce n'est pas biblique. On a mal compris les choses. On se sert des hommes comme des 12 apôtres pour dire, voilà, moi je suis apôtre à vie.
Non, les 12 apôtres étaient constitués un apostolat unique. C'était le tour pour Israël. Voilà pourquoi ils n'ont pas été reconnus par rapport à leurs œuvres. Vous voyez, non? On a dit que le jour où le Seigneur les a appelés dans Luc 6, il les a aussi nommés apôtres. Vous voyez? Pour être avec lui. Par contre, Paul a été reconnu apôtre 17 ans après. Donc l'apostolat de Paul et des autres n'était pas pareil. Les 12 apôtres, c'était le sceau, le fondement. Donc tout de suite, ils ont été nommés apôtres. D'accord? Paul, c'est 17 ans après que Pierre, Jacques et Jean lui ont donné la main d'association. Et dans Acte 14, quand ils ont été envoyés, Acte 13, dans Acte 14, on nous dit que les apôtres, c'est là qu'ils ont été reconnus. Hein, aussi, parce que l'Esprit avait parlé. Mais des années après, on nous dit qu'ils étaient d'abord prophètes, docteurs. Le problème, il faut qu'on soit enseigné suffisamment. Il y a un problème d'enseignement, effectivement. Voyez? Donc, c'est des fonctions. Pasteur, prophète, apôtre, prophète, tout ça, c'est des fonctions. On peut sortir de là, Dieu nous sort de là pour nous amener à autre chose. Philippe était diacre, et par la suite, on le voit évangéliste. D'accord? Et c'est des fonctions, tout simplement. Et les gens s'accrochent à ces titres-là, et ça les tue. Ça les tue. Ok, on va le micro. Merci. Donc, tu peux te présenter comme les gens. Je suis le frère Jean-Paul, je viens de Bonn en Allemagne. Donc, tu es aussi dans la fonction pastorale. Hein? Oui, oui. Ok. Merci pour m'accorder la parole. J'ai une question par rapport. Vous venez de parler des fonctions apôtres et par rapport au ministère. Nous avons aussi trois ministères, parole, la prière et aide. Service, aider les pauvres. Mm-hmm. Et Christ a donné, il a fait des dons à l'église, les apôtres, les pasteurs, comme nous connaissons, pour l'édification du corps de Christ. Est-ce que dans cette fonction, étant que quelqu'un qui a reçu les dons étant pasteur, étant apôtre, il doit rester dans cette fonction pendant toute sa vie, ou bien cette fonction peut changer un jour après? Ok. Un temps après, s'il vous plaît. Ok. C'est ce qu'on est en train de développer justement. Ce sont des fonctions. Tout simplement. Et je prendrai cette image-là pour encore mieux. Je prends une image pour illustrer cela. C'est comme un manteau. D'accord? Que Dieu vient et il te fait porter. Il t'habille. Ce manteau-là s'appelle fonction pastorale. Donc, pasteur. Et il ne te fait pas. Il ne te nomme pas pasteur. Mais, en fait, tu es pasteur non parce que tu as été établi pour porter les fruits, mais parce qu'on a reconnu les fruits. D'accord? Que tu portes déjà les fruits d'un pasteur. On vient, on reconnaît cela. Contrairement à ce qui se passe dans les églises, où l'on établit des pasteurs pour qu'ils aillent porter des fruits. Maintenant, en tant que pasteur, bibliquement parlant, qui étaient les pasteurs? Selon la Bible, c'était en fait les anciens, tout simplement. Et il y a deux termes utilisés, ça vous le savez certainement, épiscopos. Donc là, c'est la fonction. D'accord? Épiscopos nous parle de la fonction. Et ce terme-là a été traduit également par évêque, gardien, surveillant. D'accord? Ce terme-là, en anglais, ça donne bishop. Tout simplement. D'accord? Maintenant, le deuxième terme utilisé pour parler des anciens, là, c'est, n'est-ce pas, presbyteros. Presbyteros, qui a été traduit par ancien. Par exemple, les 24 vieillards, en fait, c'est les 24 anciens. D'accord? Là, il est question de l'homme, de l'individu. Et c'était des personnes âgées. D'accord? Pourquoi? Parce que chez les Hébreux, dans Lévitique 15, 32, Dieu disait, tu te lèveras devant les cheveux blancs.
C'est pour cela qu'il est dit que, dans 1 Timothée, il est dit que les anciens, donc c'est toujours presbytéros, qui dirigent convenablement, soient jugés dignes d'un double honneur. Ce passage était mal compris par beaucoup des pasteurs. Parce que chez les Hébreux, quand un ancien, un homme qui avait des cheveux, n'est-ce pas, passait quelque part, les jeunes, les moins jeunes se levaient pour l'honorer. C'est dans ce sens-là. Le double, c'était un double honneur. Paul parlait, n'est-ce pas, à Timothée, qui avait aussi une culture juive, qui connaissait ce principe-là. C'était des vieillards. Pourquoi ces gens étaient-ils nommés anciens? Premièrement, parce que c'était des vieillards. Des vieillards dans la vie chrétienne. D'accord? C'est des gens convertis depuis des années, qui ont de l'expérience, qui ont fait des erreurs aussi. Et au travers de leurs erreurs, ils ont appris. D'accord? Donc, c'est vraiment des vieillards. Et ce sont à ces vieillards-là qu'on confiait la charge de surveiller, n'est-ce pas, le troupeau. On ne donnait pas cette charge-là aux jeunes. S'il y avait des jeunes comme Timothée, comme Tite, eh bien, ces jeunes-là étaient, n'est-ce pas, aidés par des vieillards comme Paul, qui dira lui-même, moi, Paul, un vieillard. D'accord? Donc, c'était pas Timothée ne dirigeait pas une église seule. Il était toujours suivi par Paul parce qu'il était jeune. C'est pour cela qu'il y a des jeunes qui sont parmi nous, qui dirigent les assemblées. Dieu m'avait demandé d'être souvent avec eux pour les aider. Et il y en a qui témoignent effectivement parce qu'il y a eu ce soutien et ça les a aidés. Mais on ne peut pas les reconnaître anciens, non. D'accord? Maintenant, c'est vrai que les cinq, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, tout ça, quand ils travaillent localement, ils exercent la fonction d'évêque, dans le sens où ils sont comme des gardiens, des surveillants, tout ça. On ne va pas leur donner le nom d'anciens, donc ce ne sont pas des vieillards. D'accord? Ils peuvent exercer cette fonction-là, comme Paul disait à Timothée, fait l'œuvre d'un évangéliste. D'accord? Or, l'évangéliste, comme l'apôtre, on nous a fait croire que l'évangéliste doit aller dehors, alors que la Bible dit que c'est pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, l'évangéliste est d'abord établi pour les chrétiens et non pour les païens. D'accord? Et c'est vraiment important de le souligner. Donc, Timothée exerçait la fonction d'évangéliste. C'est-à-dire, il travaillait dans le perfectionnement des églises, où Paul l'avait envoyé, à Éphèse notamment. D'accord? Mais ce n'était pas un vieillard, ce n'était pas un ancien. Dans Actes 14, dans les Écritures, dans le Testament de Jésus, pour la première fois, bon, on va faire une pause à 13h, on fait comment? On continue encore. La première fois où il est question des anciens dans le Testament de Jésus, c'est dans Actes 14, 22. On nous dit qu'ils ont élu, dans cette de la Galatie notamment, des vieillards, des anciens, des vieillards. D'accord? Des vieillards. Pourquoi des vieillards? Remarquez que si dans nos assemblées aussi on a des problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas assez de vieillards aussi, qui ont l'intelligence, qui ont la sagesse pour aider. Parce que diriger une église, ça requiert quand même du discernement, de l'expérience. Moi, je vois des jeunes serviteurs qui sont là. Il y en a, je vois bien qu'ils se cassent la gueule, excusez-moi du terme. Parce que tu vois bien, il y a beaucoup d'orgueil chez certains, même ici et là, je parle de manière globale. Parce que tu te rends compte qu'ils ont des lacunes, parce qu'ils n'ont pas un certain nombre d'expériences. Mais ils n'écoutent plus parce que pour eux, c'est des grands ministres. Et ces anciens-là, ces vieillards, justement, travaillaient en équipe, il y avait un collège, pour éviter qu'il y ait de débordement. Parce qu'on dirige quand même les âmes. Vous voyez? Il faut faire la part des choses entre l'église locale et l'appel que chacun a reçu. L'église est un organisme. C'est un groupe de personnes qui doit être dirigé de manière biblique avec un collège d'anciens, des vieillards,
s'il n'y en a pas, ben, il faut prier. Dieu, en ce temps, il fera les choses. Mais c'est vraiment important de comprendre. Et les gens, aujourd'hui, vont diriger les assemblées hein, comme des solitaires, faisant ce qu'ils veulent. Et c'est grave. C'est pour cela qu'on entend des dégâts. Et si le visionnaire fait n'importe quoi, il n'y a pas des anciens déjà qui peuvent lui dire, bon, là, tu peux t'asseoir. Je ne parle pas de l'appel personnel. Je parle de la gestion d'une église locale où il y a un groupe de personnes. Et c'est pour cela, et Paul disait à Timothée, à Tite également, qu'il fallait établir des vieillards, hein, des anciens, des vieillards dans chaque église, dans chaque assemblée, s'il y avait. Et regardez comme il disait, des gens qui avaient des enfants, pas obligatoirement, mais s'ils avaient des enfants, il aurait fallu que leurs enfants soient soumis. Vous voyez, non? Et Paul disait que comment quelqu'un peut-il diriger l'église de Dieu s'il ne sait pas diriger sa propre maison? Donc on voit quand même bien que c'est des gens qui avaient de l'expérience. C'est pour cela que nous aurons des comptes à rendre, des comptes terribles. Parce que les églises sont gérées comme des ministères. Même le mot ministère, j'aime plus tellement, mais on dirige l'église comme un ministère, alors que ce n'est pas pareil. Le ministère, le service, c'est toi. Mais l'église, c'est un corps. C'est un corps. Et maintenant, en tant que pasteur, donc tu travailles localement, tu travailles comme un surveillant. En tant que pasteur, c'est une fonction qui consiste bien sûr à nourrir, hein, à nourrir les frères et sœurs, à paître. Et Dieu peut te demander, au bout de 3 ans, ça c'est bibliquement parlant, hein, si tu commences une œuvre, par exemple, tu gères comme un pasteur, Dieu au bout d'un certain temps, il va te dire, maintenant tu as assez travaillé ici, laisse les frères et sœurs, retire-toi, va refaire la même chose ailleurs. Voyez? Donc en fait, c'est un recommencement perpétuel. Tu implantes, tu formes, tu laisses. Ce n'est pas pour contrôler de loin. Si on a besoin de conseils, tes conseils, tu peux te donner. Mais sinon, tu te retires et tu vas implanter partout, partout, partout. Et tu laisses ces assemblées, comme Paul disait, je vous recommande à Dieu et à sa grâce. Tu les laisses avec le Seigneur. Et je t'assure, je vous assure, vous allez vivre une onction terrible. Vous allez vivre dans une onction qui va vous propulser encore plus loin. Parce que Dieu verra votre cœur disposé à vous soumettre à sa parole. Voyez? Il ne faut pas refaire une vision pyramidale comme avec l'église romaine. Le pape est au Vatican et il gère toutes les églises catholiques du monde entier. Ça, c'est Babylone. On implante, on est tous au même niveau. On implante, on forme, on laisse. On implante, on forme, on laisse. On implante, on forme, on laisse. Et si les gens ont besoin de conseils, tu peux parfois à ton exemple, tu donnes des conseils, pas de problème. Mais c'est comme ça à chaque fois. Mais si tu implantes, tu restes pasteur à vie, 10 ans pasteur d'une église locale, ce n'est pas biblique. Parce que nous sommes le peuple du livre. Hein. Nous devons tout prouver avec ce livre-là. Ce n'est pas biblique. D'ailleurs, vous verrez que la seule mention de la fonction pastorale dans tout le testament de Jésus, c'est Éphésiens 4, 11. Et encore là, on nous dit qu'ils étaient plusieurs. Donc, il a établi les êtres comme pasteurs, plusieurs. Parce que l'église du Seigneur est une église apostolique. On ne va pas chercher à porter des titres d'apôtre. Ce n'est pas ça le truc, comprenez. C'est le fonctionnement. C'est le fonctionnement apostolique. On implante, on forme, on laisse, parce que c'est une famille. On implante, on forme, on laisse. Ce n'est pas ton entreprise pour dire c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui suis là depuis longtemps, dès le départ, mais là tu es à côté. Ce n'est pas une association. Ce n'est pas ta tribu. Question? Question va toujours à la suite. Donc tu peux te présenter. Hein, pour... bon, moi, c'est le frère Atas. Donc qui dirige aussi une assemblée. Je suis de Rennes. Et ma question, c'est par rapport aux frères qui se présentent quand ils ont implanté une église quelque part. Il était reconnu pasteur et il va commencer une œuvre quelque part encore. Il dit soit, Dieu lui dit, bon, tu vas faire l'œuvre d'un évangéliste. Mais quand il part, il commence à se présenter pour dire, je suis pasteur, évangéliste, apôtre. Donc, sur le CV, il faut amener tout ça ou... Très bonne question.
Est-ce qu'on peut prendre Jean, Apocalypse 1:9, pardon. Apocalypse 1:9. Moi, Jean, qui suis aussi votre frère. Alors, on peut juste s'arrêter là. Moi, Jean, qui suis aussi votre frère. Quelle leçon d'humilité. Ici, Jean, vous savez quel âge il avait à peu près? Il avait près de 85 ans. Et il écrit à qui? Il écrit aussi à des jeunes convertis. Quelle leçon d'humilité. Ça veut tout dire. Le problème qui nous mine, comme j'ai un des problèmes, c'est que les gens sont accrochés au titre. Moi, je vois. Hein. J'ai reconnu mes erreurs dans le passé. Hein, que des gens, il y en a qui ont été reconnus charnellement parce qu'il y avait l'immaturité encore. On était encore immatures. Mais ils sont accrochés à ce titre comme pas possible. Je dis, mais quel gâchis. Quel gâchis. Je vois des frères et sœurs qui appellent apôtres, machin. Je dis, mais ils n'ont pas compris, les gars. Là. Pas compris. Et tu laisses. Je dis, bon, écoutez, restez là vos choses, là, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est à vous de dire aux frères et sœurs, écoutez, on est frères, d'accord? Et le respect ne vient pas par les titres. Le respect, c'est par rapport à l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. Le respect, c'est le deuxième commandement. Tu aimeras ton frère comme ton prochain, comme toi-même. Voilà. Donc je crois qu'il faut qu'on change là-dedans. Je vais vous dire une chose. Si on ne change pas, on va être des vieilles outres. Je sais qu'il y en a qui sont déjà des vieilles outres. Et je vous assure, vous risquez de saluer au loin ce réveil. Moi, je ne veux pas. Hein. Je veux être dedans. Ah non. Ah non. Donc, c'est présentez-vous aux frères et sœurs comme des simples frères, des sœurs. C'est tout. Voilà. C'est simple. Si les gens ne te respectent pas, c'est leur problème avec le Seigneur. Mais toi, sois vivant les choses simplement. Oui, je me présente chez le frère Bernard, qui je viens de Wuppertal, de l'Allemagne. Je repose la même question concernant ce même cas-là, parce que ça trouble un peu l'assemblée. Dans Éphésiens 4, l'apôtre dit il a donné des dons aux hommes. Christ a donné des dons aux hommes. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer en ce qui concerne ces dons? C'est une autorité, parce que la plupart disent que je suis votre don, donc je suis une autorité dans l'assemblée. Ok, don, ça veut dire domata. Hein? Domata. Et c'est-à-dire, ce sont des faveurs imméritées. D'accord? Et quand on dit que c'est un don, on ne doit pas payer pour avoir un don, déjà pour commencer. D'accord? Donc, si je suis un don pour les frères et sœurs, eh ben, je ne veux pas aller leur imposer un salaire. Parce que je suis un don. Si maintenant Dieu veut me nourrir, il le fera par la foi. Les gens feront de manière libre et non par contrainte. D'accord? Parce que tu as un don. Déjà pour commencer. Ensuite, ces dons-là, les cinq dons-là, ne sont pas des autorités. Je ne suis pas une autorité. C'est du mensonge. Ça, c'est un mensonge. C'est un faux enseignement. Un pasteur n'est pas une autorité. Un pasteur a l'autorité pastorale. Mais il n'est pas une autorité. D'accord? Les pasteurs, les apôtres ont l'autorité de Christ, comme les chrétiens, nous avons l'autorité de Christ. Mais les autorités dont il est question de la Bible, soumettez-vous aux autorités, c'est les magistrats, les policiers, les présidents, les rois. C'est ce que Paul dit plus loin dans Romains. Et Tite en parle également. Nous ne sommes pas les autorités. Et la soumission, elle est mutuelle. Soumettez-vous les uns les autres. D'accord? C'est vraiment important de comprendre ces choses. Oui? Merci, apôtre. Je suis Lembe. Je suis passé à Tosdorf. Adanman. Vraiment, j'ai quelque chose
vraiment vous dire, c'est-à-dire, on a une église, comme on dit, mais on voit, il y a des fois, il y a des femmes qui se donnent. On a des hommes, mais les hommes, tu sens que ce sont des hommes, des femmes qui sont vraiment capables. Tu peux laisser une église, tu peux dire. Les femmes ont plus le zèle. Le zèle, voilà. D'accord. Bon, maintenant, moi, en tant que titulaire, et j'ai dit, maintenant, comme nous venons d'être enseignants, j'ai dit, bon, je peux laisser aux femmes. Très bonne question. Alors, les femmes ont reçu un appel dans l'œuvre du Seigneur. Comprenez bien les choses. Donc, quand l'Église est née, les femmes aussi étaient là. Les femmes aussi ont parlé. L'Église est née et les 120 ont prêché. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Donc, dans l'œuvre du Seigneur, les femmes peuvent apporter la parole, tout ça, ce n'est pas un problème. À condition qu'elles soient inspirées comme les hommes. Et maintenant, la notion de la diriger une assemblée locale, on n'a pas vu dans la Bible une femme le faire. D'accord ? On n'a pas vu non plus un homme le faire seul. C'était soit les apôtres qui ont planté et les anciens travaillaient en équipe. Et il y a tout ça. Maintenant, le fait de, tu as constaté qu'il y a plus de femmes qui sont zélées, et les hommes, ce n'est pas le cas. Eh bien, je pense que maintenant que tu as compris qu'à un moment donné, il faut bouger, sortir. Il faut prier maintenant que le Seigneur aussi envoie des ouvriers. Donc, tu dis au Seigneur, je vais obéir à ta parole, envoie des ouvriers. Et là, maintenant, tu vas prendre aussi un certain temps pour former. Et, donc, si ce n'est pas ton point fort, demande de l'aide aussi aux frères et sœurs pour apporter des enseignements, pour former. Et ensuite, un temps viendra où Dieu te dira maintenant, il faut bouger. Et là, il faudrait vraiment bouger parce que, je vous assure, vous savez, même la nature nous enseigne. Même la nature nous enseigne. Je prends un exemple simple. Prenons l'exemple des animaux, le serpent par exemple. Les serpents vont muer. Ils vont laisser leur peau pour prendre une autre peau. C'est des enseignements. Même les animaux, des oiseaux, pareil. Donc les chenilles, la même chose. Ils vont passer d'une étape à une autre, d'accord? Donc, de l'étape l'étape larvaire pour passer à une autre étape. Donc, vous voyez que, comme Paul disait, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne. Et dans l'œuvre du Seigneur, c'est la même chose. Celui qui ne comprend pas, un dirigeant qui ne comprend pas, un pasteur qui ne comprend pas, qu'il doit préparer la relève. Il finira comme les pasteurs qu'il a dénoncés. Il finira comme un pape. C'est pour cela, chez nous, je prends toujours l'exemple chez nous. Quand je dis aux frères et sœurs, aux frères qui dirigeaient, aux dirigeants qui étaient là, quand je leur ai dit, préparez les frères et sœurs pour passer à autre chose, il y en a qui ont compris, mais beaucoup, on se sont dit, non, il est jaloux, il veut nous faire passer, nous éloigner de notre appel. Et ben, ils sont restés, et qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a plus rien. On les voit faire ami-ami avec des gens qu'ils ont dénoncés hier et même les dépasser dans la bêtise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le message. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Dieu est le Dieu des saisons. Il est le Dieu des saisons. Et ça, c'est bien que vous commencez à comprendre cela. C'est capital pour votre vie spirituelle. C'est capital. Ne remplacez pas Dieu par l'Église. Ne remplacez pas Dieu par, ne remplacez jamais Dieu par votre appel, par votre service, par votre ministère. C'est une erreur terrible que nous faisons, que beaucoup font. Je suis la sœur Grace et je viens d'Allemagne. J'ai une question pour vous demander. Personnellement, vraiment des questions dans votre prédication. Bon, chaque fois, quand on est en train de parler avec les gens, partager avec les gens qui écoutent vraiment le message des frères Chora, donc on a vraiment une confusion par rapport à l'Église. Les gens disent toujours, il y a des gens qui disent que non, il y a l'Église des maisons. Donc les gens peuvent rester chez eux. La famille, il reste, il prie, il ne peut pas aller avec les autres. Quand les gens viennent avec les autres, ça c'est une église, c'est un bâtiment, les gens ne peuvent pas rester ensemble avec les autres. Donc chacun peut prier chez lui.
Alors moi, vraiment, je vais comprendre dans le place. Ça me dérange vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a deux églises? Il y a l'ensemble que les gens peuvent être ensemble pour prier. Et il y a aussi des maisons que les gens peuvent être pour prier. Donc, il y a deux phases de l'église. Alors là, vraiment, je vais comprendre. Je vois vraiment la confusion qui me trouble un peu dans ce sujet-là. Je veux vraiment que vous m'expliquiez un peu pour comprendre vraiment bien les choses. D'accord, c'est bien. Alors, comme c'est souvent le cas, quand un message vient, et ça amène le trouble. Donc ça, c'est tout à fait biblique. Hein? Donc, chaque message qui vient comme ça, ça secoue, ça trouble, tout ça. Il y a des interprétations, il y a des mauvaises compréhensions, il y a des... Voilà, c'est une très bonne question, c'est une bonne question que tu as posée. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit d'abord? Pendant des années, on nous a fait croire que l'église est un bâtiment. Et nous avons nous-mêmes enseigné ces choses. On a perpétré ce mensonge. D'accord? Ça a commencé quand? Ça a commencé à partir du 4e siècle. Et la Bible nous dit, et vous verrez que même avant le 4e siècle, en fait, pourquoi aujourd'hui, je dirais, des pasteurs disent que l'église est un bâtiment? Ça vient tout simplement de Salomon. Parce qu'ils sont encore liés à Moïse. La maison de Dieu, la maison de Salomon. Voyez? Et on va même jusqu'à utiliser Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de Yahweh, de l'Éternel. Et c'est terrible de prendre ce passage-là pour parler des endroits où nous nous réunissons. Je parle de bâtiments par là. C'est grave. On trouve même dans ces bâtiments parfois des versets bibliques. Hein, silence dans la maison de Dieu. Ma sœur, le temple de Salomon, comme tu le sais certainement, était un lieu provisoire où Dieu descendait, n'est-ce pas, pour se manifester. Ensuite, le Seigneur est venu, il a dit qu'il veut des temples vivants, toi et moi. Et il nous a transformés en des temples. La parole nous dit que nous sommes la maison de Dieu. D'abord de manière personnelle. Moi, à moi tout seul, je ne suis pas l'église. Mais là, lorsque nous nous assemblons, deux ou trois, nous sommes l'église locale. Mais par contre, moi tout seul, je suis un temple, le temple de Dieu. Tout seul, je suis la maison de Dieu. D'accord? Voilà. Et ensemble, nous sommes à la fois l'église et aussi la maison de Dieu. Si les chrétiens ne sont pas enseignés comme ça, ils vont être dans la confusion et on va continuer à perpétrer la confusion. Donc il faut vraiment commencer à enseigner d'abord aux chrétiens que c'est nous, c'est eux qui sommes hein, la maison, c'est nous qui sommes la maison de Dieu, le temple de Dieu. Paul dit, nous, vous êtes le temple du Saint-Esprit. On est d'accord. Maintenant, un chrétien qui comprend qu'il est la maison de Dieu, il va se sanctifier tout le temps. Mais si on lui dit, le temple, c'est là où vous vous réunissez, s'il fume, il va fumer dehors. S'il est habillé en mini-jupe, il va s'habiller comme ça dehors. S'il ment, il va le faire dehors. Et quand il va arriver dans le temple de Dieu, il va laisser tout ça dehors. Il va rentrer comme un agneau. Et quand il va ressortir, il va reprendre son vêtement de loup. Donc ça s'appelle l'hypocrisie. Et c'est ce qui mine nos assemblées. Mais si on leur dit, vous êtes le temple de Dieu, comme la parole le dit, tout le temps, ils vont se sanctifier. Ils vont réaliser que s'ils pêchent, Dieu les voit. Donc du coup, ils n'auront pas peur des pasteurs, parce que beaucoup ont plus peur des hommes, des pasteurs, que de Dieu, la crainte de Dieu. Alors, commençons maintenant à enseigner ces choses. Ensuite, celui qui réalise qu'il est le temple de Dieu, s'il est marié, s'il a des enfants, femme, homme, enfin, homme ou femme, ils vont avoir d'abord un culte familial. Parce que vous verrez que beaucoup de chrétiens ne prient pas avec leur femme, leur mari, leurs enfants, ne partagent pas la maison. Par contre, ils veulent démontrer la connaissance dans les assemblées. Posez la question à vos frères et sœurs des assemblées, même à vos anciens. Est-ce que vous partagez, vous priez à la maison avec vos enfants? Parfois, c'est rare. Et
Il faut qu'il y ait une étude biblique dans chaque famille. L'homme avec sa femme, la femme avec son mari, les parents avec les enfants avec les parents. C'est pour cela que Jésus disait, moi et ma maison. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. D'accord? Maintenant, si les maisons sont des lieux de prière, quand les gens iront dans les assemblées, eh bien, les assemblées seront plus fortes. Parce que les gens ont une vie de prière chez eux. Vous voyez? Amen. Ça, c'est très important. Maintenant, nous parlons des églises dans les maisons. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les petits nombres favorisent une vraie communion fraternelle. Le Seigneur a dit quoi? Là où deux ou trois s'assemblent au milieu, hein, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit là où 10 000 personnes s'assemblent. La vision des méga church, des grandes, grandes assemblées, ça, ça vient des États-Unis. Ça vient, c'est Babylone. Parce que ça devient des usines. On ne se connaît plus. On ne sait même plus qui est qui. Si une sœur perd son mari, on ne va même pas l'assister comme veuve parce qu'on est nombreux. Voyez? Mais s'il y a très peu de gens, on va se connaître. Maintenant, si cette église-là commence à devenir grande numériquement parlant, s'il y a 10 000 personnes, ben on peut la couper en plusieurs morceaux. Comme dans une famille. Parce que c'est une famille, l'église. Les enfants, quand ils grandissent, à un moment donné, ils vont prendre leur maison, ils vont fonder leur foyer. C'est ça qu'il faut comprendre, il faut enseigner aux gens. Mais nous, on nous a dit quoi? Non, pour être respecté, si les enfants deviennent grands, ben, il faut casser les murs, agrandir l'appartement, que chaque enfant amène sa femme et qu'ils aient leurs enfants dans la maison. Donc, ça fait, c'est pas propre. Parce que, il y a la vision américaine. Plus ton église est grande, numériquement parlant, plus les gens vont te respecter. Alors qu'avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, ce n'est pas la quantité. Avec Dieu, c'est la qualité. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Moi, je croyais hier aussi que, c'est pour cela que Dieu a cassé l'assemblée que j'avais, pour être respecté par des grands bishops, il fallait avoir une grande assemblée. La grandeur d'un homme de Dieu ne se mesure pas au nombre d'assemblées qu'il a implantées. La grandeur d'une femme de Dieu, pareil, se mesure à l'obéissance qu'il a vis-à-vis du Seigneur. C'est tout. L'obéissance. Maintenant, donc d'abord, pour favoriser une bonne communion fraternelle, si on se connaît. Deuxièmement, avec la persécution au jour d'aujourd'hui en Europe, on est d'accord que si vous vous mettez à dire matin, midi, soir que l'homosexualité est un péché, nous on va continuer, pas de problème, parce que la Bible le dit, et vous allez avoir des problèmes. Donc, à cause de la persécution, comme dans les pays musulmans, eh ben, il faut préparer les chrétiens à être aussi dans des maisons, dans des petits groupes. Pourquoi? Je prends un exemple. Ici en France, si une église veut avoir un crédit dans une banque pour acheter un bâtiment ou une maison, elle doit être membre de la Fédération protestante de France. C'est ce qu'on nous a demandé, parce qu'on s'est renseigné. C'est ça, non, David? Donc, on s'est renseigné, on nous a dit ça. C'est pour cela que Dieu nous a donné les moyens pour acheter sans crédit. Donc, la persécution en Europe, elle est là déjà. Si vous, en tant que dirigeant, vous n'avez pas la vision de préparer les frères et sœurs à être dans des petits groupes, dans les maisons, pour pouvoir traverser correctement la persécution, eh bien, vous allez faire des églises qui vont se compromettre. Parce que la pression sera telle que, quand on viendra frapper chez vous, et qu'on vous dira, pasteur, nous sommes homosexuels, bénissez notre mariage. Si vous dites non, on va fermer le local. Vous allez faire quoi? C'est pour cela qu'il faut les églises bibliques, toutes les églises, hein, étaient dans les maisons. Parce que César persécutait les chrétiens. Et le Seigneur a trouvé cette solution-là pour que l'église, hein, continue à travailler dans les coulisses, en sous-marin. Voyez? Parce que quand un homme est à la tête d'une église de 1000 personnes, 10 000 personnes, croyez-moi, il finira par devenir orgueilleux. Voyez? Parce que vous avez ces 10 000 personnes qui vont le glorifier. Ah, papa, 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 à un moment donné, on est humain. Ça monte à la tête. Voilà pourquoi quand l'église a atteint 5 000 personnes, le Seigneur a tout cassé, hein, par la mort d'Étienne. Et la Bible dit que tous se sont dispersés. Et c'est la parole. Et autre chose, une autre raison. Vous allez prendre une grande salle qui va contenir 10 000 personnes. Vous allez payer cher
le loyer est cher, les charges. Pourquoi ne pas casser ça en plusieurs morceaux et mettre des églises dans les villes? Quelqu'un qui habite, par exemple, à Wuppertal, chez vous en Allemagne, qui va aller jusqu'à Stuttgart, vous voyez pas que ce trajet-là lui coûte cher. Pourquoi ne pas mettre dans la Bible, église d'Éphèse, ceux qui sont à Éphèse restent à Éphèse, ceux qui sont à Colosse restent à Colosse. Ça permet aux gens d'être locaux. Et maintenant, avec moins de charges, l'argent que vous risquez, que vous utilisez pour payer ces charges, vous pouvez l'utiliser pour aider les pauvres, aider les veuves, aider les orphelins, envoyer des missionnaires. Voyez? Et c'est tout ça là, c'est ce que nous enseignons. Mais nous ne disons pas que ceux qui prient dans les bâtiments pêchent, parce que les maisons c'est aussi des bâtiments. Donc voilà le message que Dieu nous a donné. Voilà. Ils étaient assidus au temple. Non, pas, c'est pas ça. Je suis d'accord à ce que vous dites. Amen. Je suis d'accord. Amen. Je crois aux églises. Amen. Je crois aux églises des maisons. Mm-hmm. Revenons un peu à l'église, première église de Jérusalem. 3000 convertis. Mm-hmm. Ces personnes-là étaient dans des maisons. Mm-hmm. Mais 3000 partageaient des maisons, je crois que ce n'était pas des familles. Mm-hmm. Parfois, ils se réunissaient. 10 personnes, mm-hmm. 20 personnes, 25 personnes. Mm-hmm. Maintenant, il y a des gens, moi j'ai rencontré quelqu'un, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez vous écouter le message, ils ne comprennent pas les réformes. Mm-hmm. Je suis parti quelque part, j'ai visité quelqu'un qui était en deuil, chez nous en Allemagne, un frère qui était avec son bouteille de whisky. Il parlait, il prenait le whisky dans le désert, les bouteilles étaient vides. Moi, j'étais là. Ah, mon frère, comment? Mais toi, tu es pris où? Ah, moi, je suis le frère de Chora. Mais la personne, parfois, si nous pouvons dire, un chrétien se sanctifie chaque fois qu'il écoute la parole. Mm-hmm. Comme Jésus a dit, sanctifie-le par ta parole. Mm-hmm. Maintenant, si dans une maison, il peut prier, mais quelqu'un dans cette maison n'est pas capable de partager avec la famille. Papa n'est pas capable, maman n'est pas capable, le fils n'est pas capable. Bon, je crois qu'il peut chercher chez les voisins, s'ils sont des chrétiens, il peut se réunir pour partager ensemble la parole de Dieu. C'est ce que nous enseignons. Voilà. Maintenant, de telles personnes qui viennent ici, moi je crois vraiment dans notre milieu, par rapport à notre culture congolais, les gens critiquent les autres au lieu de l'approcher. Moi, je vous ai écouté Il y a un frère qui travaille avec vous, il est à Amiens. Il m'avait parlé de vous plusieurs années. Et je vous ai approché, je suis convaincu de votre message. Amen. Maintenant, de telles personnes qui n'ont pas bien compris le message. Parfois, quand les gens les écoutent, ils voient directement Chora. Parce que si quelqu'un voit Timothée, il voit directement l'apôtre Paul. Mais de tels frères, avec de tels comportements, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que les réformes, vraiment, je suis touché. Et je crois que je ne resterai jamais là où je dirige l'église. Amen. Je dois laisser quelqu'un. Parce que, chez nous en Allemagne, le problème de l'intégration, c'est un peu difficile. La langue, moi j'ai étudié, j'ai eu mon diplôme d'état, je parle un peu français. Mais si j'étais en France, ça pouvait aller. Mais chez nous, en Allemagne, ces gens-là, vous arrivez, tu restes 20 ans sans vous envoyer dans une école pour être intégré. C'est ça notre difficulté. Et pour nous, chez nous, pour prêcher, parfois, il faut... Et nous avons toujours l'église ethnique des gens. Et présentement, il y a des Congolais. C'est les Rennistes à leur côté. Les Angolais, ils se cherchent toujours les Angolais. C'est ça le problème. Mais le problème que nous avons chez nous en Allemagne n'est pas facile pour être intégré. Et surtout pour apprendre la langue. Et moi, je trouve que le Seigneur nous aide, frère Chora. Que le Seigneur nous aide. Il faut que... Bon, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur peut nous donner comme solution. Je crois que le frère Bernard est là. L'Allemagne, c'est... Vous voyez, c'est très propre, mais ils sont très durs.
Ils sont très durs. J'ai dit la vérité. Alors le problème, qu'est-ce que vous pouvez dire au frère là, mon frère Chora? Moi, je vous ai approché. Parfois, je vous critiquais de loin. Maintenant, je vous ai approché. C'est ça le mal des Africains, des Congolais. Vous critiquez quelqu'un, au lieu de l'approcher, vous partagez la parole. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire au frère là, soit en disant, moi, je participe au veillé de Chora, mais son comportement n'est pas digne par rapport à la parole de Dieu. D'accord. C'est un peu mon problème. Merci beaucoup. Ok, donc merci pour ton intervention. Je pense que en tant que pasteur, cette intervention va aider aussi beaucoup d'autres pasteurs qui peut-être qui suivent aujourd'hui et qui, ou qui vont suivre plus tard. Et ce type de comportement, on peut le trouver aussi dans les Écritures. Et d'abord, Romains 2 nous dit que le nom du Seigneur est blasphémé par ceux qui prêchent la parole. Hein, donc toi qui te dis juif, qui enseigne les gens et voilà, qui te présente comme le docteur de la loi, mais voilà, donc tu ne te comportes pas comme un docteur de la loi, parce que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, à cause de toi. Donc il y a beaucoup de gens qui ont pris ce message et qui, à cause de la haine, de la déception qu'ils avaient des pasteurs, ils ont pris ce message pour aller casser leur pasteur, pour aller manquer du respect à leur pasteur. Et ce n'est pas ce que nous enseignons. Et la preuve, et quand on est venu à Bonn et qu'on a su, comme on dit, qu'il y avait des pasteurs qui étaient là, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ah ben gloire à Dieu, je vais les voir à la fin pour échanger. Et quand on me dit qu'il y a un dirigeant qui est là, pasteur, apôtre, prophète, qui a la charge du troupeau du Seigneur, et mes amis, même si on est 1000 personnes, même s'il y a beaucoup de gens qui veulent me voir, j'accorde du temps à ces personnes parce que pour pouvoir échanger, partager. Donc, j'ai été formé comme ça, et c'est biblique, respecter les frères et sœurs, respecter les enfants de Dieu, respecter également ceux qui ont la charge du troupeau. Donc, un tel monsieur n'est pas chrétien, n'est pas du tout chrétien. Et parce que quand on est enfant de Dieu, il y a un comportement à avoir, il y a une attitude à avoir. La parole doit véritablement nous changer. Et donc, j'étais un jour avec un frère, un jeune qui est là. Nous sommes allés à Paris et je fais un détour pour saluer un pasteur qui tient une boutique là-bas. Et il est ce qu'il est. Mais quand j'ai une occasion de saluer quelqu'un, ben, je le fais pour aussi partager quelque chose, vite fait la parole. Et le frère était choqué. On te voit dénoncer, mais en fait, dans les coulisses, il ne voit pas le travail qui se fait. Voyez, donc ce frère n'est pas converti, n'est pas du tout chrétien, et c'est pas ce que nous enseignons. Tu es venu, tu verras qu'il y a des frères et sœurs qui sont là, qui sont touchés par le message, qui sont humbles, qui vont voilà, encourager les frères et sœurs. Donc et nous disons également que il y a certains dirigeants qui sont encore dans un système religieux, non parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont tout simplement ignorants. Hein, donc c'est pour ça que Paul disait que la connaissance enfle. Et ceux qui ont reçu un peu de connaissances doivent avoir l'humilité de pouvoir aider ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Donc, manquer du respect à quelqu'un, aller boire du whisky comme ça lors d'une veillée mortuaire, ça, ce n'est pas du tout un comportement chrétien. Et on a vu hein, des gens, voilà pourquoi justement, pasteur, voilà pourquoi je dénonce comme ça souvent à la télé. Tu remarqueras que j'ai beaucoup dénoncé même à l'intérieur ici chez nous. D'ailleurs, c'est ce qui me veut, tout ce qui m'a amené tous ces problèmes. Parce que je dis à ceux que j'ai formés hier, je ne veux pas que vous allez caresser les seins de femmes. Je ne veux pas que vous alliez voler l'argent du Seigneur. Si vous voulez le faire, faites-le chez vous, mais ne dites pas que nous travaillons ensemble. Voilà mon combat. Et ceux qui me connaissent savent que même les gens que j'ai formés, si ils se détournent de la parole du Seigneur après les avoir avertis, ils continuent, je m'en sépare. Je me suis séparé presque toutes les personnes que j'ai formées dans le passé, sauf quelques-unes qui sont restées comme qui sont là, comme des Loufianes, comme des gens qui sont quand même sérieux, mais des Moïse, parce que on veut des gens sérieux, on veut des gens propres, des gens qui aiment le Seigneur, qui craignent le Seigneur. Ceux qui sont sales et qui veulent être nettoyés par la parole, on les aide, il n'y a pas de problème. On veut marcher avec des gens, des hommes et des femmes intègres. Intègres. Et ceux qui me connaissent également savent que si quelqu'un veut collaborer avec moi et qu'il bat sa femme, qu'il trompe sa femme ou son mari, on s'en sépare. Même si on est resté ensemble 20 ans, 30 ans, c'est pas mon problème. Tu as été averti, si tu refuses, on se sépare d'avec toi. Et on veut vraiment,
avancer avec des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui veulent, qui sont sérieux, qui et par rapport à l'intégration. Moi, je crois à tout ce que Dieu me dit. Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Je crois que, étant en Allemagne, je vais en Allemagne, je sais que les Allemands sont différents, effectivement, des Français. Ils ont une discipline assez particulière, donc par rapport à leur tradition. Mais je crois en même temps que c'est possible, parce que nous, on a commencé à voir quelques Allemands être touchés. Il y a une personne allemande qui a traduit deux de mes livres hein, en allemand, Nicole. Et ses parents, qui sont allemands, hein, donc de je sais pas quel coin là, du sud, et ses parents ne veulent plus, notamment sa mère, ne veut plus voir les Noirs. Pourquoi? Sa fille a été épousée par un Ivoirien qui se disait chrétien. Il lui a fait deux enfants. Il a abandonné. Donc la sœur qui a traduit mes livres. Un autre Ivoirien vient, je crois qu'il a épousé aussi, je crois si je me trompe. Et pour les papiers, il a abandonné. Un autre Congolais vient, c'est un Camerounais, qui se disait pasteur, qui se disait être avec nous. Il va commencer à dépouiller les gens financièrement là-bas. Et la maman de cette sœur a dit, qui est une Allemande, hein, si c'est ça Jésus, c'est plus la peine, je ne veux plus voir les Noirs. Je vous assure, beaucoup de Blancs à l'époque, quand on allait à commencer à être touchés, et la maman elle était même venue deux ou trois fois, et quand tu vois ça, tu te dis, quel gâchis! Quel gâchis! Et le problème, comme je disais ce matin, donc c'est vraiment notre culture. Dans la culture, dans notre culture, on ne fait pas d'efforts pour apprendre, hein, pour, comment dire, même la culture générale. Je suis allé en Irlande, je posais une question à des Africains qui étaient là-bas, des frères, un couple notamment qui est là-bas depuis 18 ans. Quel était, je leur demandais le nom du ministre de l'Intérieur, ils ne connaissaient pas. Il faut commencer à s'intéresser déjà au pays dans lequel vous êtes. Il faut aussi lire. Écouter la radio, par exemple. Moi, j'écoute beaucoup la radio. Vous savez, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut être complètement dans un monde de bisounours, complètement, je sais pas, enfermé. Je vais écouter souvent des radios françaises. Parce que c'est comme ça aussi que tu apprends des mots, que tu apprends la langue, que tu, il y a même des Français de souche qui ne savent même pas parler le français. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas, ils ne se cultivent pas tout ça, donc c'est important. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écouter la radio dans la voiture, radio allemande? Amen, gloire à Dieu. Mais pasteur, est-ce que c'est le cas? Jamais. Merci pour ton honnêteté. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez, hein? Pourquoi? Parce que dans notre tête, nous voulons être très, très spirituels. Ouais, je vais écouter des radios comme, Europe 1, comme la radio... Voilà, et tu as des émissions, tu entends, tu écoutes, tu suis, un mot que tu n'as pas saisi, tu vas prendre, tu vas chercher, tu apprends l'histoire du pays, la culture du pays, et au bout d'un certain nombre de temps, tu vas te rendre compte que la langue va couler, hein, tu vas parler avec fluidité, et c'est possible, et Dieu va nous aider. Il y a un passage dans 2 Pierre, donc on ne va pas le lire, mais je peux juste vous le rappeler. Pierre dit, faites tous vos efforts. Voilà, on connaît. Pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, quoi? La connaissance. Donc, si tu ne fais pas d'efforts, il n'y aura rien. Merci. Merci pour la parole. Je m'appelle... Le frère Jean-Claude, je viens aussi de l'Allemagne. Tu viens de Munich, hein? Du sud, ouais. Waouh, tu as fait une longue route, en tout cas. Okay. Tu es pasteur aussi, donc. Merci. Je voudrais un peu paraphraser mon frère Jean-Paul ici. C'est vrai, chaque pays a sa culture et a sa situation particulière. La situation en Allemagne, ce n'est pas vraiment facile.
mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Alors, moi, je sais que je partageais beaucoup de moments de souffrance et de peine avec mon frère Lembe. Il y a un temps, je lui disais, quand on s'appelait, je lui dis, oh, il me demande, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, non, je suis en train de lire la Bible allemande. Il me disait, c'est bien. Moi, je lui disais, tu sais, nous sommes en Allemagne. Hein? Salomon, quand il voulait bâtir la maison, on a dit qu'il fallait qu'il cherche le bois d'acacias. La brousse, la forêt, là, c'est là où il était. C'est là où il y avait de bois. Il fallait qu'il puise le bois dans la forêt. Je lui ai dit, nous sommes en Allemagne. Tu sais, les Allemands, c'est comme le bois d'acacias. Nous devons quand même fournir un effort pour y arriver. Alors, avec notre système communautaire, nous y étions tous. Moi, j'ai connu des persécutions de haut, de bas. J'en ai connu de toutes couleurs. Mais il est arrivé un moment où je me suis dit que, en tout cas, je vais m'efforcer un peu de changer de vision. Alors, il y a un jour, là où on s'est réunissé, il y a un Allemand qui est venu par hasard, parce qu'on partageait la salle. Il est venu quand il est entré, je prêchais, je lui ai dit non, mets-toi. Il dit non, ici, vous prêchez en français. Non, 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 je dis que mes enfants sont là, ils vont traduire pour toi. Et, c'était comme ça, on a commencé à prêcher. Il y a un autre qui est arrivé, c'était deux personnes. On a prêché. Et juste à la fin, on a eu le temps de converser. Je les ai dit, vous êtes le bienvenu tant que vous voudrez. Alors la semaine d'après, ils sont 24. C'est eux-mêmes maintenant qui ont commencé à évangéliser leurs frères. Ah. Dimanche passé, parce que moi j'ai quitté, je suis venu en train, je quittais Munich à 14h. Nous nous réunissons juste à 14h30. Mais il y a un frère aussi allemand qui est venu par après. C'est lui qui était le premier. Mmh. C'est celui que j'avais dirigé, responsabilisé pour diriger la réunion de prière. D'accord. Parce que nous avons, j'ai un collègue pasteur congolais, mais qui habite aussi un peu loin. Lui n'était pas là, c'est le frère là qui a dirigé. Alors, je parlais avec lui le samedi, on a prié ensemble. Je lui ai dit, moi, je serai en France parce que j'ai une conférence. Ils se sont réunis. Il y a aussi un Allemand qui s'est ajouté. Mais le Seigneur nous choque. C'est quoi? Les Allemands qui viennent présentement là où nous nous réunissons, ils n'habitent pas Munich. Ce sont les Allemands qui habitent en dehors de Munich. Et il y en a, ce qui m'a choqué hier encore, il y a un Allemand qui habite à Augsbourg. Augsbourg, c'est à 60 km de Munich, là où nous nous réunissons. Donc, c'est pour un peu paraphrasé aussi. Tout est possible. Le frère Chora pour dire que tout est possible à Dieu. Amen. Parce que Dieu commence à tirer les Allemands qui habitent à Augsbourg. Moi, je n'ai jamais été à Augsbourg. Je n'ai jamais prêché là-bas. Eh bien, ils viennent. Bonjour, je suis le frère William, je viens aussi de l'Allemagne. Je suis très touché de voir qu'il y a beaucoup de... C'est fort, hein? Je suis vraiment très touché de voir qu'il y a beaucoup d'Allemands, il y a beaucoup d'interventions un peu qui viennent du côté de l'Allemagne. C'est déjà encourageant, c'est déjà très bien. Mon intervention, en fait, c'est pas une question, mais c'est tout simplement pour dire le problème qu'on a en Allemagne, c'est qu'on est devenu un peu, comment dire, c'est la génération du Mac Drive, c'est-à-dire... On veut des résultats rapidement. On veut le fast-food. On veut avoir des choses rapidement. Même dans le domaine de la langue, il y en a qui ne savaient pas lire, qui ne savaient même pas lire et qui aujourd'hui parlent l'allemand. Donc, ça a été, c'est du travail. C'est du travail. Donc, en fait, c'est vrai, l'Allemagne, c'est compliqué. Ça a tout ce qu'il y a, mais c'est possible.
Il suffit seulement qu'on s'engage et qu'on se tienne la main et qu'on essaie de travailler. Il y en a qui ont la possibilité de vous amener d'un point A à un point B. Il faut être seulement humble, d'accepter de le faire et puis et d'avancer. Il y a des gens qui... Moi, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, même au niveau de la parole. Mais le Seigneur a permis qu'un ancien vienne me retrouver à Regensburg, le frère Patience, pour nous enseigner certaines choses. Donc, malgré... il suffit seulement d'être assez humble et d'accepter. Et même s'il faut pour rencontrer les Allemands, avec les moyens qu'on a, on avance, on fait un pas, deux pas. On ne sait pas combien de pas on aura après 3 ans, après 4 ans. Il faut seulement qu'on s'engage. Parce que attendre tout de suite qu'il y ait 100 Allemands qui acceptent, 1000 Allemands, voir la même chose, en fait, ce qu'on voit directement ici à Paris, se faire en moins de je ne sais pas combien de mois. Le Seigneur fait comme il veut et qu'on reconnaisse notre état et on avance avec les moyens que le Seigneur nous donne. Et il y a un travail. Quand j'entends ton histoire, mais il y a un grand travail qui a été fait derrière. Il y a vraiment un grand travail. Donc il faut qu'on enlève un peu cette mentalité de recevoir tout rapidement, qu'on travaille, même si l'allemand c'est compliqué, les Allemands sont compliqués, il y a un caractère, c'est à nous de nous humilier et de travailler. Ça prendra le temps que ça prendra, mais que Dieu soit loué. Comme avec le pasteur, on voit à Munich, les Allemands qui commencent à venir, il y a la sœur. On va faire une pause avec la sœur, comme ça on va manger et reprendre tout à l'heure. Shalom, peuple de Dieu. Mm-hmm. Shalom. C'est la missionnaire pour Christ, Agathe. Je viens aussi de l'Allemagne, dans la ville de Mönchengladbach. Aussi, je voudrais saluer les sincères salutations de mon mari à Frachoa. C'est aussi un serviteur de Dieu qui vous suivait aussi quand vous venez autrefois. D'accord. À Wuppertal, il était toujours là. Vous étiez, je crois, deux fois à Wuppertal, il était là. Mais la raison pour laquelle il n'est pas au milieu de nous aujourd'hui, malgré les efforts que son frère Jean-Paul a fait vraiment, c'est la raison de santé. Ok. Et je voulais retourner 4 personnes avant. Je crois que c'est mon papa qui a dit que si vous aviez dit que si l'homme de Dieu doit, après lui, former aussi des hommes de Dieu qui doivent aussi prendre la place pour que l'œuvre de Dieu puisse toujours être continuée. Nous avions une église à Mönchengladbach où nous avions commencé l'œuvre de Dieu, moi et mon mari ensemble. Nous avions tous été appelés. Chacun était appelé à son temps. Lui a commencé et moi aussi j'ai reçu mon appel et je l'ai aussi suivi dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que je dois demander aussi que le peuple de Dieu écoute un peu, c'est que nous, en tant que servantes et serviteurs de Dieu, est en train de faire à d'autres hommes de Dieu et servantes de Dieu, et que il est arrivé un temps où mon mari, dans l'œuvre, il était tombé malade. La maladie a surgi subitement. En temps ensemble, aux côtés de mon mari, il y a eu, comme maintenant on dit qu'il y a des terrains, ça c'est mon terrain, les ayants droit. Même dans l'œuvre de Dieu, il y a les ayants droit. Ça, c'est mon terrain. Le Seigneur m'a donné, c'est à moi. Et il y a eu guerre de terrain. Que bon, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Et mon mari, quand il est tombé malade, le serviteur de Dieu, ce ne sont pas les païens, mais ce sont les serviteurs de Dieu qui s'élevaient pour combattre l'homme de Dieu, bien étant malade, et pour commencer à dire aux brebis que il ne serait pas agréé qu'un homme de Dieu qui est malade puisse se mettre debout pour enseigner, parce que on ne donne que ce qu'on a. Et l'esprit qu'il a, la maladie, il ne pourra que transmettre que la maladie. Et après, donc, il n'y a rien de bon qui va sortir de lui parce qu'il est malade. Quand le corps est malade, donc, pour les hommes de Dieu, ce sont des hommes de Dieu. Quand le corps est malade, l'esprit est malade. Et le Seigneur est à bon. Ceux qui ont entendu, beaucoup, je vous dis beaucoup, je demanderai à Dieu de nous faire grâce la vie de Mönchengladbach, parce que vraiment, nous implorons le réveil dans cette ville. Beaucoup des âmes sont rentrées dans leur maison. Beaucoup des âmes sont affaiblies. Beaucoup de feux sont éteintes parce que les brebis ont écouté
ce que le loup ravisseur pourrait dire. Et beaucoup de gens se sont retirés de l'église à tel point que bon, nous étions restés, ce que nous étions restés. Et quand vous aviez dit, comme vous aviez dit tout à l'heure, que non, l'homme de Dieu doit travailler et puis laisser aussi à d'autres aussi former. Oui, former, nous formons. Nous formons des sœurs qui veulent aussi faire l'œuvre de Dieu, qui sont appelées, qui sont aussi missionnaires. Nous sommes avec eux ensemble, nous travaillons. Mais si beaucoup de gens, beaucoup des anciens, beaucoup sont, se sont retirés, d'autres ont embrasé d'autres églises, là où il y aurait beaucoup de gens, là où il y aurait le feu, parce que mon mari, comme il est malade, il n'y a pas le feu. Donc le feu s'est éteint pour les gens. Mais moi, je sais que le feu, malgré qu'il est malade, le feu est là. Parce que nous sommes encore là. Tant que l'église est là, tant qu'il y a des frères, tant qu'il y a des sœurs qui viennent encore et qui soutiennent encore, hein, toujours l'homme de Dieu de se lever pour faire l'œuvre, nous, nous croyons que l'œuvre de Dieu ne périt jamais. Parce que l'église, le Seigneur a dit, il a bâti l'église. Rien, personne ne pourra faire quelque chose contre l'église. Quel conseil nous, en tant qu'hommes de Dieu, pourrons entendre de vous aussi, parce que vous aviez reçu cette mission de réformer les églises, parce qu'il y a en quelque sorte une mauvaise marche que nous, en tant que servants, serviteurs de Dieu, en train d'engencer, qui fait que le réveil aussi, à partir de nous-mêmes, soit arrêté. Qu'est-ce que nous pouvons attendre que le Seigneur peut nous dire aussi par rapport à un cas tel que un mari malade et un serviteur de Dieu, parce que je ne le prends pas seulement comme mari, mais comme serviteur de Dieu, bien qu'il m'a formé aussi, il a été beaucoup pour moi. Qu'est-ce que le Seigneur pourra nous dire à ce sujet par la bouche de ton serviteur par rapport à leur forme? Ça fait combien de temps que vous dirigez cette église? Ça va faire maintenant 7 ans. 7 ans? Ouais. Ok. D'accord. Ok. Donc, très bonne question. Alors, comme on va finir avec la sœur, parce qu'on va s'alimenter, et puis après, on va prendre encore beaucoup de temps tout à l'heure pour enseigner et répondre à d'autres questions. Et après, proposer des choses selon la parole. Hein, que faire maintenant? Donc ça, on conclura avec ça. Et nous avons constaté que beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs d'origine africaine meurent très tôt. D'accord? Si on regarde chez les Européens, les Occidentaux, des frères comme Osborne, qui est mort après 80 ans. Comme David Wilkerson, pareil, après 80 ans. Bon, après, il y a d'autres ministères, serviteurs comme Maurice Cerullo, même s'il prêche la prospérité aujourd'hui, c'est dommage, et qui aujourd'hui a plus de 80 ans, qui continue à travailler. Quand on regarde des gens comme Reinhard Bonnke, qui malheureusement aussi s'est égaré parce que c'est l'argent maintenant, faire des séminaires payants, c'est pas correct. Qui, aujourd'hui, après plus de 70 ans. Et quand on regarde chez les Africains, c'est rare de trouver de tels hommes. Pourquoi cela? Pour répondre, hein, donc, d'abord de manière globale, et le Seigneur m'a enseigné quelque chose, c'est parce que nous n'avons pas la notion du corps. Ça n'existait pas dans notre culture. C'est l'individualisme. Voyez, et comme tu as pu le mentionner, c'est la guerre de chef. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Parce que si on a la notion du corps, on va aider les autres. Chez nous, en Afrique, dans nos pays, si quelqu'un est riche, il ne partage pas avec les autres. On le voit, quelqu'un qui rentre au gouvernement, il va s'enrichir, 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 s'enrichir. Et même pour arranger la route qu'il prend tout le temps, même devant sa porte, il ne va pas l'arranger. Voyez, donc c'est dans la culture. Nous voyons dans nos assemblées que un pasteur qui commence une assemblée, quand il doit aller, s'il doit aller en mission, il va être le seul à aller en mission. Il va faire toutes les missions lui tout seul. Au lieu parfois de se reposer et de laisser les frères et sœurs aller en mission. Et beaucoup ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si je commence à envoyer tel frère en mission, à cause de la culture, il va devenir aussi tellement orgueilleux qu'il va vouloir casser l'église. Donc, c'est compliqué tout ça, là. Donc du coup, le pasteur, il fait toutes les missions lui tout seul. Et à un moment donné, le corps va se fatiguer. Il y a autre chose. Nous avons des jeunes, parfois, aller faire 3 jours à sec, une fois, on peut comprendre. Mais aller faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans oublier que nous sommes un corps.
et que les reins, s'ils ne sont pas, n'est-ce pas, alimentés, s'il n'y a pas de l'eau, tout, ça finit par s'abîmer. Voyez? Donc, on ne se rend pas compte. Et aller faire des jeûnes de 40 jours, on sort de là, on fait des, tout le temps. Et ce qui fait que les gens abîment leur santé. Et autre chose, ils vont, très peu vont aussi prendre soin de leur corps, de temps à autre aller courir. Voyez? Donc, et faire un peu, c'est pas pour aller gonfler ses muscles, c'est pas ça, mais aller courir. Moi, je cours, c'est important. C'est important. Je mets mes baskets, je vais faire un footing, courir. Et je vois l'alimentation, comment les gens mangent. Vous allez manger des aliments gras. Je parle de manière globale. Et parfois tard, à 23h, minuit. Et au bout d'un certain temps, ben, c'est, les gens sont... Je vois, parfois, je dis aux frères, je regarde. Et ils vont boire du jus, des fruits, des jus avec beaucoup de produits chimiques. Hein, trop sucré. Ils ne se rendent même pas compte qu'arrivant à cet âge, s'il y a trop de sucre, vous provoquez des maladies. Quand on en parle, les gens, ils rigolent. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se... Ils se tuent. Voyez? C'est terrible. Le jus que beaucoup d'Africains boivent, je vois des jus que beaucoup aiment, tout ça, ça tue les gens. Le Miranda là, moi je bois pas ça. Non. Tu vois, Charlotte, même le jus qui vient de la Hollande, je touche pas. J'ai touché une fois, c'est trop sucré, je prends pas. Donc ça tue les gars. Et il y a déjà, si on élimine ces choses là, je pense que on va avoir moins de soucis. Et autre chose, quand un pasteur, comme c'est le cas de notre frère, pour qui on va vraiment prier, et nous croyons que Dieu va vraiment le restaurer, et parfois quand Dieu permet cela, c'est peut-être pour dire à la personne, je ne veux plus que tu diriges. Tu vois? Et parce que Dieu a plusieurs langages en fait. A plusieurs langages. Parce que si Dieu veut vraiment qu'une personne dirige une œuvre, il va lui donner la santé. Et s'il permet cela, c'est parce que comme il doit y avoir une pause. Je me rappelle le témoignage d'un prophète ici, congolais d'origine. Et quand, avant de commencer l'œuvre, il était vraiment dans la... Il priait le Seigneur, il adorait le Seigneur, il était dans la, il avait une bonne relation avec le Seigneur. Et quand l'œuvre commençait à prendre de l'ampleur, il ne priait plus. Il était tout le temps dans les voyages, à gauche, à droite, partout. Et un jour, il a senti les douleurs au niveau de son bas-ventre, il est parti à l'hôpital. Et là, on lui dit, bon, là, tout est pourri à l'intérieur, il est tombé dans le coma. Et le Seigneur est venu le visiter en lui disant, eh ben, t'es partout, sauf chez moi. Vous voyez? Donc, Dieu l'a guéri, heureusement, mais malheureusement aujourd'hui, il est reparti encore dans les eaux des femmes. Donc, et c'est vraiment important de comprendre et, ces choses-là. Ce n'est pas non plus parce qu'un frère, un prédicateur est tombé malade qu'il n'a plus Dieu avec lui, qu'il n'a plus le feu. Ça, c'est complètement faux. Paul avait un problème de vue. Hein? Donc, Dieu l'a utilisé. Donc, ça ne veut rien dire. Mais je pense que quand c'est comme ça, c'est que c'est un message du Seigneur. Et le problème, c'est qu'on veut parfois tellement rester à la tête des assemblées que des gens aussi vont nous encourager. Non, faites attention, on va faire un coup d'État, faites attention, tout ça. Moi, on a implanté plusieurs assemblées. Il y a des gens que j'ai formés qui les ont ravis, qui ont commencé à dire que ce sont leurs assemblées, c'est eux qui les ont implantées en mentant. Dieu m'a dit quoi? Laisse, je vais laisser. Parce qu'on peut mourir avant le temps de Dieu, à cause des églises. Vous voyez? Il y a beaucoup de pression. Hein? Il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ont des problèmes cardiaques. Moi, Dieu m'a fait grâce par rapport à ça, parce que c'était quelque chose de terrible. La pression, les épreuves, les combats, la mentalité des uns des autres, tout ça, il y a beaucoup de pasteurs souffrent. Beaucoup ont des problèmes de dépression, même chez les Français, il y a beaucoup, des Européens, beaucoup vont voir des psychiatres. Ils prennent des cachets. Chez les Africains, beaucoup vont prendre du whisky. D'autres, à cause de la dépression, ils vont voir des femmes. C'est la dépression qui produit tout ça. Là. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas su se retirer quand il le fallait. C'est pour cela qu'il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir se dire, Seigneur, j'ai fait un temps, mon temps, par rapport à la fonction pastorale. Hein, j'ai formé des frères et sœurs. Maintenant, je voudrais me retirer pour aussi me retrouver avec toi. Hein, et d'autres, parce qu'ils ne veulent pas se retirer, ben, ils vont tout casser non plus aussi. Et ça, c'est dommage.
il faut parfois se retirer, se retrouver avec sa femme, avec ses enfants, se retrouver avec sa famille et ensuite s'attendre à des nouvelles directives. Et c'est tout bénéf pour nous. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment important. Je veux apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie, contempler ta gloire et ta beauté. Rechercher toujours ce qui est dit. Je veux apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie. Contempler ta gloire et ta beauté, oh, rechercher toujours ce qui est dit. Chercher